suave. Ton nom est un parfum qui se répand. Donne-moi la baguette là. Regardez, il y a une baguette là-bas. C'est bon. Ça cherche. Alléluia. C'est la partie où je vais m'élever sur la base de Cantique 1, verset 3. Oula, excusez-moi. Sur la base de Cantique 1, verset 3. Bien-aimé. Voilà, la baguette au fond là-bas. Voilà, c'est à partir de ce moment où, bien-aimé, je vais me tenir debout. Et tu vas comprendre quelque chose. Alléluia. Je disais tout à l'heure, quels sont les effets pervers, amen, de parfums sur ceux-là qui les portent. Pour ceux-là qui ont fait le monde, je l'ai dit plusieurs fois dans mes enseignements que le Seigneur m'a révélé. Pour tous ceux-là qui ont fait le monde, ils vous diront que lorsqu'ils utilisent des parfums, la plupart des hommes ou des femmes ne leur résistent pas. Demande à n'importe quelle femme qui a fait le monde, lorsqu'elle sent un parfum sur quelqu'un, elle est automatiquement attirée par cette personne. Elle a envie de forniquer avec cette personne. Et vice versa. Lorsque une femme va mettre un parfum de bonne odeur, vous allez voir que les hommes seront attirés par ce parfum-là et auront envie de forniquer avec cette personne-là. Bien aimé, pourquoi? Parce que il y a quelque chose de mystérieux. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui se cache derrière les parfums. Vous avez là sur en face de moi, une commode. Alléluia. Amen. C'est une commode. Hein. Vous avez même deux commodes. Alléluia. Et on va identifier les différents produits qu'on retrouve sur cette commode. Alléluia. Amen. On va retrouver. C'est des commodes qu'on a le plus souvent dans les chambres, hein, qu'on a le plus souvent dans la maison de plusieurs jeunes filles, de plusieurs jeunes hommes. Mais c'est surtout les jeunes filles. Alléluia. On va commencer par ma droite. Voilà ce qu'on retrouve sur les commodes. Gloire à Jésus. Principalement, on retrouve sur les commodes hein, une tête de mannequin. Amen. Avec de faux cheveux. Ça, c'est indéniable. Hein. La plupart des femmes, qu'elles soient musulmanes, qu'elles soient catholiques, qu'elles soient bouddhistes, qu'elles soient religieuses, chrétiennes en griffe, hein, chrétiennes, vierges folles, vous allez constater que la plupart des femmes ont dans leur chambre cette commode-là et sur laquelle il y a de faux cheveux. Celles qui ont les moyens de s'acheter une tête, une poupée, une figurine, vont s'acheter le visage d'une figurine avec des mèches hein, qu'on appelle communément voilà des faux cheveux. Alléluia. Voilà. Ça, ce sont des faux cheveux. Et c'est ce qu'on retrouve sur la plupart des commodes, hein, des faux cheveux. Voilà. Avec hein, des pompons. Voilà. Avec des pompons. Voilà. Voilà. Et mais sur cette même commode, voilà, vous allez retrouver un parterre de bijoux. Un parterre de bijoux en tout genre. Hein, les principales, ce sont des chaînes. Voilà, vous retrouvez des chaînes. On retrouve des chaînes sur cette commode-là. Des montres bracelets en métal. Voilà, des montres bracelets hein, en métallique. Voilà. Vous retrouvez des boucles d'oreilles. Alléluia. Amen. Voilà, les modèles de chaînes varient de tous les genres. Désolé, j'ai fait tomber la statue de Marie. Bon, je pensais qu'elle allait pouvoir se tenir sur ses pieds, mais on constate que ce n'est qu'une simple statue et elle ne peut pas se tenir sur ses pieds. Comprendre qui pourra. Alléluia, je continue. Et évidemment, sur cette commode, vous avez hein, des bracelets. Voilà, vous avez des bracelets. Hein, des bracelets pour le poignet. Voilà, il y a le bracelet aussi pour le tibia qu'on appelle des chaînes au pied ou des bracelets de pied. Voilà, vous avez des bracelets. Alléluia. Amen. Vous avez des pendants d'oreilles, hein, selon le livre de Genèse 35, versets 1 à 6. Voilà, vous avez des pendants d'oreilles. Voilà. Vous avez des pendants d'oreilles hein, qui sont utilisés par la gente féminine comme par la gente masculine. Alléluia. Voilà, vous avez des pendants d'oreilles. C'est des choses qu'on retrouve sur les commodes de la gente féminine. Hein. Voilà. Vous avez aussi des perles. Hein, des perles qui sont utilisées hein, à la hanche des jeunes filles ou de la jeune femme. Évidemment, les perles ont le caractère de la séduction. Gloire à Jésus. Voilà, vous avez des perles. Amen. C'est des choses qu'on trouve communément sur les commodes. Hein, de la jeune femme ou de la jeune fille. Voilà, qu'elle soit musulmane, qu'elle soit athée, qu'elle soit des différents
bord ou communauté religieuse dite chrétienne, vous allez retrouver ces choses-là sur leur commode. Alléluia. Amen. Vous allez retrouver aussi d'autres formes de perles. Hein, voilà, des perles. Voilà, vous allez retrouver d'autres formes de perles pour les poignets. Hein. Aujourd'hui, ces perles-là sont très tendances. Beaucoup de jeunes personnes dites chrétiennes ont tendance à porter des perles. Voilà, des perles au poignet, des perles à la cheville et tout ça. Voilà, c'est des choses qu'on retrouve. On va retrouver aussi des bougies, hein, des bougies parfumées qui servent à faire des prières, des rituels pour attirer la chance, la faveur et tout ça. Des bougies parfumées. Amen. Sur cette même commode, vous allez trouver ce qu'on appelle des bougies ou des serre-têtes. Voilà, hein, des bougies. Hein, on appelle ça des bougies. Voilà, ou des serre-têtes. Voilà, ou des épingles pour cheveux. Voilà, vous allez trouver hein, des chaînes. Regardez celle-là. Quand on regarde la texture, on voit bien qu'elle a la texture d'un serpent. Alléluia. On voit bien, voilà, qu'elle a la texture d'un serpent. Regardez bien la texture de cette chaîne. Voilà. Le corps de cette chaîne donne l'impression que c'est une peau de serpent. Alléluia. Tu vas comprendre quelque chose là. Alléluia. Sur cette même commode, naturellement, pour ceux qui sont, par exemple, dans l'islam ou dans le catholicisme, dans le bouddhisme, vous allez retrouver des perles. Voilà, des perles. Mais ici, ça s'appelle des chapelets. Or, lorsqu'on lit le livre de 1 Timothée 2, verset 9, le Seigneur nous interdit formellement le port ou l'utilisation des perles. Voilà, ici, le diable n'a pas gardé le nom perle, de peur que ça ne choque si quelqu'un a l'intelligence de Dieu, est animé du Saint-Esprit. Donc, on va dire ici, chapelet. Amen. Et donc, vous avez plusieurs sortes de chapelets. Vous avez des chapelets hein, chrétiens, pardon, excusez-moi, oulala, des chapelets musulmans, des chapelets bouddhistes et des chapelets catholiques. Alléluia. Amen. Voilà, vous avez trois types de chapelets ici. Voilà, c'est tout, évidemment, c'est fait en perles. Donc, vous avez sur cette commode, en fonction de la religion de la personne, des chapelets bouddhistes, des chapelets musulmans et des chapelets catholiques. Je vais dire à quelqu'un que les trois communautés religieuses ont pour père Satan. Amen. Et toi qui es dans cette communauté, si tu entends la parole de la sentinelle, je t'en prie, répands-toi et sors de là-bas, sors de l'Égypte, sors du bouddhisme, sors de l'islam, sors du catholicisme. Ces trois communautés ont pour père Satan et ont le but de conduire ton âme à la fin de ta vie dans le feu de la géhenne. Échappe-toi pendant qu'il est encore temps. Voilà. Donc, en fonction de la religion, vous verrez ce type de perles-là, hein, de chapelet sur la commode de la bien-aimée ou du bien-aimé. Alléluia. Amen. Souvent, pour faire fantaisiste, pour ceux qui sont dans le fétichisme, vous allez retrouver ce qu'on appelle des koris qui sont aussi des perles. Amen. Ces koris-là sont utilisés dans le monde mystique pour la divination. Souvent, pour ceux-là qui fabriquent des idoles qu'on appelle des téraphimes ou des figurines, vous allez voir qu'ils utilisent des perles comme des yeux pour leurs figurines ou pour les téraphimes. Alléluia, c'est commun en Afrique de l'Ouest et dans beaucoup d'autres régions de l'Afrique et du monde. Voilà, les koris qui servent des divinations, qui sont aujourd'hui un effet de mode. Et c'est des choses qu'on retrouve, bien entendu, sur la commode de bien de personnes, sur ta commode. Alléluia. Amen. On va aller plus loin. Je parlais tout à l'heure des religieux. Vous allez voir, pour ceux-là qui sont dans le système catholique, vous allez retrouver la statue de Marie. Non pas la Marie qui est dans la Bible, mais la reine du ciel. Alléluia. Vous allez retrouver la statue de Marie sur cette commode-là. Alléluia. Vous allez retrouver aussi, sur la même commode, le fameux crucifix. Hein. Voilà. Le fameux crucifix luciférien. Amen. Ce n'est pas le crucifix de Jésus. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas le crucifix sur lequel le Seigneur a été crucifié. Ça n'a rien à voir puisque nous savons que le Seigneur Jésus-Christ a été retiré du crucifix sur lequel il était crucifié le même jour par par l'homme de Dieu Joseph d'Arimathée. Amen. C'est lui qui a demandé à ce qu'on enlève parce que dans Israël, en Israël, une des lois d'Israël disait que lorsqu'on crucifie quelqu'un, il ne devait pas rester jusqu'au soir. Alléluia. Sans quoi toute la nation allait être maudite, allait être frappée de malédiction. Donc le même jour, il fallait, juste après la constatation de la mort de celui qui était crucifié, il fallait le retirer du crucifix pour ne pas que ce symbole-là ou sa mort provoque une malédiction pour Israël. Et le même jour, le Seigneur a été retiré du crucifix et il a été enseveli dans une sépulture. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous avez sur la même commode, évidemment, hein, des huiles parfumées. Hein, on voit ici
un parfum dont l'emballage ressemble textuellement à la forme d'une femme. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. On voit ici une poudre parfumée. Alléluia. Regardez la forme. Regardez bien la forme de cette poudre parfumée. Amen. Alléluia. On voit bien que cette poudre parfumée a la forme d'une femme. On voit bien la poitrine. Hein, on voit bien le postérieur. On voit bien la morphologie. On voit bien la partie intime. Et on comprend bien que c'est la morphologie d'une femme. Et pour toi qui ne sais pas, la poudre qu'il y a là-dedans, évidemment, lorsque la personne ou la personne qui l'a utilisée va l'utiliser, on voit bien que la poudre a été utilisée un tout petit peu. Évidemment, le but ici, c'est de la mettre dans sa partie intime, dans la partie intime de la femme. Et lorsqu'elle utilise, tous ceux qui iront avec elle, tous ceux qui auront des rapports sexuels avec elle, seront définitivement détruits. Ils seront comme des chiens. C'est-à-dire, ils vont lui donner tout ce qu'ils possèdent et à la fin de leur vie seront détruits. Puisque le livre de Jean 10:10 nous dit que le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger et pour détruire. Alléluia. Vous avez ici une pommade. Enchantement. Regardez le nom de la pommade. Enchantement. Alléluia. Cette pommade a pour effet de faire grossir le postérieur et les calipiges de la femme. Et ça, vous retrouvez ce genre de produit-là sur la commode de plusieurs soi-disant chrétiennes. Tu te dis enfant de Dieu et tu utilises ce genre de choses pour faire grossir ton postérieur ou tes calipiges ou tes cuisses ou ta poitrine. Évidemment, quand ta poitrine et les autres parties de ton corps ont grossi, que vas-tu faire? Aller adorer Dieu en esprit en vérité? Ou vas-tu te mettre à chercher des hommes mariés et à rançonner les hommes, à abuser des hommes avec tes rondeurs? Que vas-tu faire avec ta grosse poitrine, avec ton postérieur prépondérant? Tu vas aller dans les rues dire aux gens, répands-toi? Non. Que vas-tu faire lorsque tu auras une poitrine généreuse ou une poitrine ou un postérieur prépondérant? Vas-tu t'habiller comme toutes les femmes vertueuses avec le voile et en vêtements couverts? Ou vas-tu t'habiller en pantalon, en collant, en mini-jupe, comme le disait le pasteur Mohamed Sanogu qui disait que la femme chrétienne peut porter des pantalons? C'est ce que tu vas faire parce que eux ils ne savent pas de quoi ils parlent. Parce que eux n'ont rien compris à Dieu. Ce sont des égarés qui égarent eux-mêmes des millions d'âmes et vous les acclamez. C'est ça? C'est ce que le Seigneur t'enseigne? À utiliser des produits pour augmenter tes rondeurs et aller séduire des gens et tu t'appelles chrétienne? Voilà ce qu'on retrouve sur la commode de plein d'enfants de Dieu qui malheureusement sont dans l'ignorance et qui disent non, c'est le cœur, c'est le cœur. Un produit pour augmenter les parties de son corps. Voilà. Voilà, on voit bien la pommade ici. Voilà. Herbal hip bot. Enlargement. Voilà, ça dit c'est des herbes. Hein, c'est une mixture faite à base d'herbes. Hein, qui a pour but d'élargir le postérieur. Voilà, en bas. Voilà, c'est marqué en bas. Voilà, c'est marqué ici. Hanche. Voilà. Botte, c'est postérieur. Enlargement, c'est élargi. Voilà. La hanche, c'est pour élargir la hanche. Les fesses. Voilà. À base d'une plante élargissante. Voilà. Voilà. Et c'est mis, voilà. C'est écrit. Voilà. Des vulgarités que j'ai même pas envie de dire. Voilà. Élargissement, hanche. Et voilà. Voilà. Donc. Vous avez sur la commode de plusieurs enfants de Dieu qui malheureusement sont dans l'ignorance et qui font la volonté de la chair et non pas la volonté de l'esprit, des produits pour augmenter leur postérieur, leur hanche, leur poitrine, pour appétir le ventre ou pour augmenter les cuisses, dans le but évidemment de se dire, parce qu'une femme, une jeune fille qui va utiliser ces produits, ce n'est pas pour cacher son corps, c'est pour se dénuder. Alléluia. Amen. Voici un produit qu'on retrouve chez beaucoup de jeunes filles. 24K Gold Snail, Pommer, je ne sais pas bien si c'est ce que je vois. Alléluia. Amen. Voici un produit. Voilà. Alors, on va déballer le produit, vous allez le voir. Quelqu'un peut m'aider? Voilà, donc on va déballer le produit. Vous allez voir. Bien aimé, pour toi, c'est une commode. Mais à la vérité, pour le Seigneur Jésus, ce n'est pas une commode. Amen, c'est un hôtel. Amen. Voilà. 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 Carité. 24K. Évidemment, ce produit-là a pour effet d'enjoliver les ongles. Amen. Dieu t'a donné de jolis ongles avec une couleur de peau. Mais le diable te dit quoi? Utilise ce produit-là pour enjoliver tes ongles. Voilà. Et donc, ce produit-là a pour effet d'enjoliver. Enjoliver, c'est parer. Amen. Dans le livre de 1 Timothée 2, au verset 9, le Seigneur dit, ne vous parez pas. Donc, n'ajoutez pas. Donc, en tant que chrétienne, tu ne peux pas te parer de vernis. Amen. Ni de j'avais vu des faux ongles quelque part. Ni de faux ongles. Alléluia. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas faire ces choses-là. Amen. Et comme je le disais tantôt, vous allez voir sur la commode de bon nombre de personnes, ces produits-là,
Amen. On a ici ce produit qui s'appelle Fashion Air. C'est un produit au même titre que Dark and Lovely qui a pour but de ramollir les cheveux, de les défriser, de les lisser. Amen, de les laquer. Alléluia. Mais bien aimé, si le Seigneur t'a donné des cheveux crépus, c'est pour sa gloire. Si t'as donné des cheveux défrisés, c'est pour sa gloire. Mais tu ne peux en aucun cas changer ce que le Seigneur établit préalablement. Alléluia. En le faisant, c'est le contester. Or, qui a la capacité de contester le Créateur? Qui ici-bas, qui respire, qui a le souffle de vie que le Seigneur te donne, peut contester ce que Dieu a créé? Or, en Genèse 1, verset 31, il est dit que Dieu vit que tout ce qu'il fit, ou tout ce qu'il a créé, était bon à voir. Alléluia. Amen. Évidemment, sur la commode de ces personnes, vous avez ça. Des sèches cheveux ou des babilis. Ah, voilà, ça s'appelle des babilis. Amen. Après avoir utilisé des dark and lovely, dark and lovely qui veut dire amoureux des ténèbres. Dark, c'est ténèbres, lovely, c'est amoureux. Amen. Donc dark and lovely, ça veut dire amoureux des ténèbres ou amoureux et ténèbres. Alléluia. Évidemment, ce produit, comme les autres produits que vous voyez ici, viennent de la mer. Amen. Ce sont les produits de Jézabel, de Maniwata. Ce sont les produits, bien aimés, de Méduse. Alléluia. Évidemment, lorsque vous utilisez ces choses, vous n'êtes plus en train de rendre un culte à Dieu, mais vous êtes en train de, par cet autel, de rendre un culte à Maniwata, à Jézabel et à Méduse. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Et vous avez des perles. Voilà, vous avez des perles, hein, de ce genre-là. Voilà. Et regardez, c'est parce qu'on ne peut pas sentir d'ici. Mais vous allez voir que ces perles-là sont parfumées. Ces perles-là sont parfumées. Et derrière le caractère de ces perles, c'est la séduction. C'est la débauche, c'est la prostitution. Alléluia. Derrière le caractère de ces perles, bien aimé, c'est la dépravation. Amen. Gloire à Jésus. Et en tant que chrétienne, tu ne peux pas avoir ces choses chez toi à la maison. Tu ne peux pas avoir ces choses sur toi. Ça n'a pas de sens. Tu dois te repentir de cela et les détruire. Alléluia. Amen. Je continue. Gloire à Jésus. Regardez ce qu'il y a ici. Il y a des senteurs. On voit ici une histoire de femme sensuelle. Mauboussin. Regardez le leitmotiv du parfum. Une histoire de femme sensuelle. Bien aimé, le Seigneur Jésus ne nous appelle pas à la sensualité, mais à la pudeur, à la décence et à la modestie, selon le livre de 1 Pierre 3, verset 3. Alléluia. Le Seigneur Jésus, je le répète, ne nous appelle pas. Tu ne peux pas être chrétienne et être animée de sensualité, marcher en te déhanchant, en t'habillant pour séduire les gens, en exhibant ta poitrine, en exhibant tes cuisses, en veillant à ce que ta partie intime soit exposée, en veillant à ce que ton postérieur soit exposé. Ma bien-aimée, ce n'est pas de la décence, ce n'est pas conforme à la sainte doctrine. Et donc, vous voyez là, le leitmotiv de ce parfum, il est dit qu'une histoire de femme sensuelle. Alléluia. Gloire à Jésus. Combien de femmes dites chrétiennes n'ont pas ces choses dans leur chambre? Des faux cheveux, des encens, des parfums, des pommades, des produits cosmétiques, des pommades pour faire grossir le postérieur, pour faire grossir la poitrine, des encens pour envoûter les hommes, ou pour envoûter les femmes. Alléluia. Gloire à Jésus. On va mettre une pause sur cette commode-ci, cette commode qu'on voit là. On voit ici ce miroir. Puisque c'est de ça qu'il s'agit, avant qu'on ne revienne sur les parfums et consorts. On voit ce miroir. Et évidemment, sur toutes les commodes du monde entier, dans toutes les chambres où vous irez, que ce soit des chambres d'hommes ou de femmes, surtout de femmes, vous allez voir qu'il y a un miroir, soit de forme rectangulaire, soit de forme carrée, ou un miroir en partie cassée. Alléluia. Mais bien aimé, est-ce que tu connais le sens profond, le sens spirituel qu'il y a derrière les miroirs qui se présente, hein, devant un parterre de parfums, de produits cosmétiques, qui se présente devant des produits pour augmenter son postérieur, pour augmenter sa poitrine, ou pour utiliser des produits pour les mettre dans sa partie intime. Alléluia. Amen. Quelqu'un prend le livre de Proverbes 27, verset 19. Alléluia. À quoi servent les miroirs naturellement? Amen. On va dire que les miroirs servent à s'apprécier, à contempler sa personne, à veiller à ce que quand on sera des rois en société, qu'on n'ait pas quelque chose qui soit en dysfonctionnement de l'air du temps, de la mode et tout ça. Alléluia. Les miroirs servent à se présenter, à s'apprécier, à se voir, hein, à faire une voilà, on va dire à se voir soi-même.
Alléluia. Mais est-ce que les miroirs servent qu'à ça seulement? Est-ce que les miroirs servent à casser une acné qu'on a sur la joue, sur le front, à casser un petit bouton, à arranger les ces boutons de manchette? Est-ce que le miroir sert seulement à veiller à ce que la cravate soit bien mise? Est-ce que le miroir sert seulement à voir si la robe qu'on a portée, la jupe qu'on a portée est bien mise, sur la ceinture est droite et s'il n'y a pas d'erreur ou de dysfonctionnement dans notre façon de nous présenter? Alléluia. Bien-aimé, je vais te surprendre. Le miroir ne sert pas seulement qu'à ça. Amen. Le miroir que tu vois devant les statues de Jézabel avec des faux cheveux, devant les parfums de Jézabel ou de Méduse, devant les produits pour augmenter sa poitrine, les miroirs servent, ou les miroirs sont une porte interdimensionnelle entre le monde physique et le monde astral, entre le monde physique et le monde des eaux. Bien-aimé, ça te surprend. Mais tous les occultistes savent de quoi je parle, mon bien-aimé. Tous les occultistes savent que le miroir n'est pas simplement un objet de décoration, n'est pas simplement pour se mirer, n'est pas simplement pour voir si sa cravate est bien nouée, n'est pas simplement pour savoir si la chemise qu'on a mis, tout est à sa place, ou si le pantalon on a mis, la ceinture est droite. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Alléluia. Gloire à Jésus. Lorsque l'on va chez les satanistes, c'est-à-dire chez les agents de Satan, les marabouts, les féticheurs, chez les sorciers, chez les personnes qui pratiquent la divination avec des coris, vous allez voir que dans les sanctuaires, il y a toujours un miroir. Un miroir. Évidemment, le miroir peut être deux miroirs. Il peut avoir deux miroirs avec des bougies, ou un miroir à terre, ou un miroir arrêté avec des bougies ou des rituels tout autour. Évidemment, l'agent de Satan, qui est marabout, qui est féticheur, qui est un sorcier, va faire ce qu'on appelle l'appel de nom ou l'appel de l'âme. Il va se tenir en face du miroir. Et au travers du miroir, il arrive à opérer chez vous. Au travers du miroir, devant laquelle il y a cet hôtel, puisque c'est pas une commode, c'est un hôtel, il arrive à opérer chez vous, à espionner votre maison et à savoir tout ce qui se fait, tout ce qui se dit, tout ce qui se projette, tout ce qui te prépare, ton projet de mariage, ton bac, ta licence, ta maîtrise, ton 2A, ton PhD, ton master's, ton BTS, ton BP. Ils le savent au travers du miroir. Ils savent si la femme sera féconde, si la femme va accoucher. Ils savent si le monsieur enquête d'un emploi. Ils savent si la bien-aimée est en train de préparer un mariage. Ils le savent au travers des miroirs. Alléluia. Amen. Et aussi, comme je le disais tantôt, au travers du miroir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont appeler votre nom. Au travers du miroir, ils vont appeler votre âme. Si vous appelez Monsieur Quadio, ils vont dire à trois reprises, Quadio, Quadio, Quadio. Et pendant que vous dormez, vous entendez quelqu'un vous appeler. Mais derrière l'appel à votre nom, il est l'appel à votre âme. Alléluia. Et lorsque vous répondez à l'appel, mon bien-aimé, ça n'est fini pour vous. Automatiquement, c'est votre âme qui est volée et qui, par cette porte interdimensionnelle, va se retrouver emprisonnée dans le monde astral. Et en termes de prison, il y en a de toutes sortes. Il y a la prison de l'alcool, il y a la prison de la masturbation, il y a la prison de la drogue, il y a la prison de la vanité, de la mondanité, il y a la prison de la prostitution, il y a la prison de l'adultère, il y a la prison de la cigarette, etc., etc., etc. Il y a la prison du mensonge. Et d'autres prisons, il y a la prison de la colère, il y a la prison du manque de pardon, il y a la prison de la jalousie, il y a la prison des calomnies. Évidemment, vous êtes dans ce cycle infernal-là. Vous êtes confronté à une vie de vice qui ne s'arrête pas, malgré toutes les décisions que vous avez prises. Alléluia, gloire à Jésus. Évidemment, lorsque le miroir ou votre miroir est devant toutes ces choses, votre miroir devient automatiquement une porte interdimensionnelle entre le monde physique et le monde des eaux, ou le monde astral, ou le monde des ténèbres. Alléluia. On peut lire le passage de Proverbe 27, verset 19. Proverbe 27, verset 19 dit ceci. Alléluia. Comme dans l'eau, le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Alléluia. Amen. Regardez ce qu'il est dit. Il est dit, comme dans l'eau, le visage répond au visage. Amen. Le miroir est considéré comme de l'eau. D'ailleurs, à l'époque, dans l'Antiquité, pour ceux qui n'avaient pas de miroir, c'est à travers de l'eau qu'ils se miraient. Amen. Et c'est pourquoi la Bible dit que, comme dans l'eau, le visage répond au visage. Alléluia. Ainsi, le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Je l'ai dit tout à l'heure. L'appel au nom ou l'appel à l'âme dans le miroir. Amen. Se fait par ce procédé que je viens de dire, mais avec beaucoup de rituels ou de paroles incantatoires. Alléluia. Évidemment, lorsque votre nom est appelé, le miroir qui est dans votre commode, qui est sur votre commode, dans votre chambre, va attirer votre âme.
C'est pourquoi plusieurs d'entre vous ont déjà fait des songes ou des cauchemars où ils ont vu des sirènes ou des démons au travers des miroirs. Ça se passe souvent dans les douches ou dans les chambres. Plusieurs personnes, dès qu'elles sont rentrées dans leur douche, elles n'ont pas vu, c'est pas leur reflet qu'elles ont vu dans les miroirs, mais c'est des sirènes ou des démons qu'elles ont vu au travers des miroirs. J'ai le propre témoignage de ma tante dans la ville de Bingerville, qui une fois rentrée chez elle, a jeté un coup d'œil dans le miroir, elle a vu une sirène. Et quand elle a vu, quand elle s'est rencontrée avec la sirène, quand leurs regards se sont croisés, la sirène a cligné, le miroir s'est écrasé, elle avait une baignoire. Je ne sais pas par quelle extraordinaire façon de faire les choses. La sirène a quitté le miroir, est rentrée dans la baignoire, et est rentrée dans le siphon et a disparu devant tout le monde. Alléluia. Gloire à Jésus. En dehors de cela, le miroir sert aussi à d'autres rituels incantatoires, à tuer des vies. Lorsqu'on écoute le témoignage de plusieurs brouteurs ou de plusieurs jeunes qui ont tenté de d'acquérir la gloire sans travailler, sans effort, ils vont vous dire ceci. Je suis allé chez une femme féticheuse, je suis allé chez une féticheuse, chez un marabout, et devant le marabout, il y avait ce miroir-là. Alléluia. Il y avait un miroir comme ça, mais autour, il y avait une forme de décoration antique, une forme de décoration un peu ténébreuse. Et je peux avoir un couteau, s'il vous plaît. Genre, va demander un couteau rapidement à tes soeurs. Alléluia. Et la féticheuse m'a dit, ou le marabout m'a dit, si tu veux avoir la gloire, voilà ce que tu vas faire. Je vais te donner un couteau. Et la première personne que tu vas voir dans le miroir, tu vas la poignarder. Et la féticheuse, sous le miroir, va mettre un canari. Et le canari, par extraordinaire, va servir à recueillir le sang de la personne que celui qui cherche la gloire va poignarder. Voilà comment ça se passe. Voilà, j'ai un couteau dans ma main. Et la personne arrive chez le féticheur ou la féticheuse, je lui dis, moi, je vais être riche. Moi, je vais être riche, je vais pas travailler, je vais pas souffrir, je vais faire le malin, frimer, aller en bois de nuit, coucher avec des femmes, avoir des voitures, des maisons et tout ça. Et le féticheur ou la féticheuse lui dit, ok, voilà le miroir, un couteau magique, un miroir magique. Et dans le miroir, comme tu veux la gloire, est-ce que tu es prêt à aller jusqu'au bout de ce que tu veux? Mais si tu ne le fais pas, le mal va se retenir contre toi et tu seras frappé de folie. Amen. Je veux qu'on passe un peu de temps sur le miroir parce qu'on n'a jamais eu le temps d'en parler. Et juste après, on va faire la transition et repartir sur l'autel et les parfums. Alléluia. Et donc, le jeune homme va prendre le couteau et après quelques rituels incantatoires et après l'appel du nom de l'âme de son proche parent. Évidemment, le proche parent, ça peut être son épouse, sa fille chérie qu'elle aime, son fils chéri qu'il aime, sa mère ou son père qu'il aime, son frère ou sa sœur. Mais en tout cas, ce sera la personne qu'il aime le plus. C'est le prix à payer. Un peu comme on lit dans le livre de Genèse où le patriarche Abraham va donner Isaac en sacrifice à l'Éternel des armées. Amen. C'est ce qui se passe dans le monde occulte. Le monde occulte qui est dirigé par Satan ne va pas prendre celui que vous aimez le moins. Non, il prendra celui que vous aimez le plus et c'est celui-là que vous allez poignarder. Évidemment, après l'appel de l'âme du nom de votre proche parent que vous aimez le plus, dès que vous vous mettez devant le miroir, vous êtes tenu de le poignarder au cœur. Et après avoir poignardé la personne au cœur, quoi que ce soit un miroir, mais vous aurez le sentiment que c'est la personne que vous avez poignardée physiquement. Et le sang va découliner du miroir. Et le féticheur, la féticheuse, avec un canari dans lequel il y a des mistutures et des incantations, va recueillir le sang de la personne. Et ils vous diront, merci, que Dieu vous bénisse, ils vous diront qu'ils vont vous appeler pour vous annoncer que la personne est morte. Alléluia. Et quand la personne va mourir, vous n'aurez pas à pleurer. Si vous pleurez, le malheur va s'abattre sur vous. Vous risquez de devenir fou ou vous risquez de mourir. Alléluia. Donc, on vous dira la personne va mourir, mais pendant les funérailles, vous n'aurez pas à verser une seule larme. Si vous versez une seule larme, c'est vous qui allez mourir. Donc, faites tout, mais arrangez-vous pour ne pas verser de larmes. Et c'est à la suite de cela que vous allez devenir riche. Évidemment, l'argent que vous aurez ne pourra pas servir à des choses durables. Ne pourra pas servir à bâtir une maison, à construire, mais à faire des choses spontanées, à boire de l'alcool, en en partager à tout le monde, à sortir avec des filles, à acheter des vêtements, à apprendre, à fumer de la drogue, à faire tout, mais à ne rien réaliser. Puisque le diable, nous savons que lorsqu'il signe un contrat de sang avec vous, c'est un contrat de dupe, où vous ne pouvez pas vous en sortir avec des témoignages ou avec des acquis. La Bible dit que les bénédictions de Dieu ne sont suivies d'aucun chagrin. Mais les bénédictions du diable, elles, sont suivies de chagrin. Amen. Et vous ne pouvez rien garder de pérenne avec le diable. C'est une vérité qui est immuable. Tous ceux qui ont eu à faire des pactes de sang, ou qui ont livré leur âme, ou l'âme des gens,
n'ont pas pu garder ces acquis-là. À un moment de leur vie, tout détruit. Parce que c'est ça avec le diable. Amen. C'est pourquoi vous devez composer avec Dieu. Maintenant, la mécanique ou le mystère qui se cache derrière ces incantations, c'est quoi? C'est que pour toi qui es né de nouveau, toi qui vis conformément à la sainte doctrine, si on t'appelle, si l'ennemi t'appelle par le miroir, cela ne va pas prospérer. Déjà, il peut pas t'appeler. Pourquoi? Parce que ton sang est caché dans le sang de Jésus. Et une barrière de feu t'environne. Ce qui fait que si l'un de tes proches tente de donner ton sang pour devenir riche, de donner ta vie pour avoir la gloire de ce monde, lorsque le féticheur va tenter d'invoquer ton nom, regardez ce qui va se passer. Soit le miroir va être brisé, ou toutes ces incantations, tout ce que le féticheur a, qu'il utilise pour faire des incantations, tout va prendre feu. Parce que nous étant cachés dans le sang de Jésus sur la base d'Apocalypse 12, verset 11, qui dit que nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de notre témoignage. Bien aimé, la parole de notre témoignage, ce n'est pas que Jésus m'a donné une femme, je suis marié, j'ai des enfants, non. La parole de notre témoignage, c'est le fait de vivre conformément à la sainte doctrine. Déplier le corps, sanctifier le cœur, sanctifier de l'esprit. Ainsi, quand le mystique voudra vous faire du mal, lorsqu'il va tenter d'invoquer votre nom, vous verrez que, paf, le miroir va se briser. Ou tout ça va brûler. Ou son sanctuaire va brûler. Ou l'épée du grand carnage viendra le frapper. Alléluia. Et il va dire à la personne qui a invoqué, qui a demandé qu'on invoque votre nom. Pourquoi c'est celui-là que vous avez choisi? Alléluia. Gloire à Jésus. Je suis en train de parler de quelque chose de très important. Et c'est pourquoi je t'exhorte, mon bien-aimé, à te débarrasser de toutes ces choses. Alléluia. Lorsqu'on revient, amen, lorsqu'on revient sur l'autel, on a fini avec les miroirs. Toi, en tant que chrétien, il n'y a pas de mal à ce que tu aies un miroir chez toi à la maison. Mais prends la peine à chaque fois de le couvrir du sang de Jésus avant de dormir. Puisque les choses se passent dans la nuit. Alléluia. Et se passent dans la nuit ou à l'aube. Amen. Et gloire à Jésus. Donc, tu peux utiliser le miroir, mais aussi, comme pouvait le dire l'apôtre Paul, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile, et je ne me laisserai pas servir par quoi que ce soit. Alléluia. Quoique tu peux utiliser le miroir, il ne faudrait pas que le miroir devienne une idole ou un objet de culte pour toi, où tu vas passer des heures et des heures devant le miroir, à regarder ta hanche, à regarder ta poitrine, à regarder tes pectoraux, à regarder tes tablettes de chocolat, à regarder tes cuisses, à regarder ton postérieur. Non. Juste ce qu'il faut. Est-ce que la chemise est bien mise? Est-ce que je me présente bien? Et ça suffit. Et vous partez. J'ai un bouton ici. Ah, je viens de constater que j'ai un bouton là. Bon, d'accord. Je vais essayer de le faire disparaître, soit en le cassant ou en utilisant une pommade. Évidemment, une pommade à caractère médical pour faire disparaître le bouton. Pas des pommades. On a vu tout à l'heure. Pas des pommades esthétiques. Alléluia, gloire à Jésus. Revenons sur l'autel. Prenons le passage d'Osée 8, verset 11. Et quelqu'un prend Ésaïe 36, verset 7. Ésaïe 36, verset 7. Osée 8, verset 11. Ésaïe 36, verset 7. Je l'ai dit tout à l'heure, mon bien-aimé. Cette commode que tu appelles commode, pour Dieu n'est pas une commode, mais c'est un autel. Au même titre que les autels de Baal, au même titre que les autels d'Astarté, alléluia, au même titre que les autels de Diane, c'est-à-dire des démons qui se faisaient passer pour des dieux, qu'Israël adorait malheureusement, et dont cela a attiré la colère et la foudre de Dieu contre eux. Amen. Il n'y a pas de différence entre quelqu'un qui a un autel dans son sanctuaire, qui adore des l'esprit de Tanoué, l'esprit de Nyangon, l'esprit de Zérégui, et toi qui as cette commode chez toi à la maison. Devant Dieu, c'est la même chose. Et c'est le même culte au faux Dieu. Alléluia. Allons-y, Osée 8, verset 11. Amen. Ephraim a multiplié les autels pour péché. Alléluia. Et ces autels l'ont fait tomber dans le péché. Amen. Amen. Alléluia. Ephraim a multiplié les autels pour péché. Amen. Ces autels-là, bien aimé, c'est cette commode que tu as dans ta chambre, malheureusement. Tu n'as pas compris qu'il n'y a pas de différence entre cette commode que tu appelles commode et l'autel dédié à Jézabel, à Diane, à Astarté, à Mami Wata, à Méduse. Alléluia. C'est le même autel. En présentant ces choses chez toi à la maison, c'est un culte que tu rends à la déesse de la beauté artificielle. C'est un culte que tu rends à la beauté vaine. N'est-il pas dit dans le livre de Proverbe 31, verset 30, que la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée? N'est-il pas dit que la beauté est fugace, la beauté est vaine, la beauté est périssable? Mais la beauté que tu as, bien aimé, à un certain âge, la beauté flétrit, la poitrine, elle descend, elle devient flasque, le postérieur descend, les jambes, le corps devient froissé, comme un vieux, je ne sais pas moi, comme un vieux sac.
Cette beauté sur laquelle tu comptes tant et tu penses que tu peux faire le tour du monde et briser le cœur des femmes et briser le cœur des hommes, à un moment, mais cette beauté flétrit, un peu comme une belle fleur, un peu comme cette belle fleur qu'on voit ici. À un moment, cette fleur flétrit. À un moment, cette fleur-là, à la fin de la journée, flétrit. À la fin de ta vie, ta beauté, les plus vrais, regarde ta grand-mère, regarde ton arrière-grand-mère. Ah, sûrement, elle était plus belle que toi. Mais regarde-la aujourd'hui. Qui pourrait même lui dire, madame, vous êtes mon genre, vous me plaisez? Personne. Parce qu'elle est défigurée par la vieillesse. C'est pourquoi le Seigneur veut que tu te concentres non pas sur la chair, mais sur l'esprit. Parce qu'en elle, il y a la vie éternelle. Le Seigneur veut que tu te concentres sur sa parole et non pas sur l'esprit. Alléluia. Allons-y. Ésaïe 36, verset 7. Allons-y rapidement. Quelqu'un lit le passage. Ésaïe 36, verset 7. Ésaïe 36, verset 7. Peut-être me diras-tu, c'est en l'Éternel notre Dieu que nous nous confions. Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels en disant à Juda et à Jérusalem, vous vous prosternez devant cet autel? Alléluia. Bien-aimé, regarde. Lorsque tu utilises un parfum devant sur ta commode pour te parfumer, devant Dieu, tu te prosternes devant un autel. Lorsque tu mets sur ta tête, gloire à Jésus, le faux cheveu, devant Dieu, tu te prosternes devant un autel. C'est de ça qu'il s'agit. Lorsque tu utilises des faux cils ou des faux ongles, que tu les mets à tes yeux ou à tes ongles, devant Dieu, tu te prosternes devant cet autel-là. Alléluia. Lorsque tu utilises des produits cosmétiques dans le but d'embellir ton teint ou de changer la couleur de ta peau, devant Dieu, tu te prosternes devant l'autel de Jézabel. Tu te prosternes devant l'autel de Diane d'Astarté. Devant Dieu, tu te prosternes devant l'autel de Méduse. Lorsque tu changes la couleur de tes cheveux, comme on le voit ici, lorsque tu changes la couleur de tes cheveux, devant Dieu, tu te prosternes devant l'autel d'Astarté. Devant Dieu, tu te prosternes devant l'autel de Baal. Devant Dieu, tu te prosternes, pas devant l'autel de Baal, puisque l'autel de Baal, c'est le football. Alléluia, c'est le football. Alléluia. Mais ici, tu te prosternes devant l'autel de Méduse. Qui est Méduse? Revenons sur Méduse. Alléluia. Méduse, c'est la... Excusez-moi. Méduse, c'est la déesse des faux cheveux. Alléluia. Mais c'est aussi elle qui, le plus souvent, va... Il n'y a pas une femme pour m'aider. C'est aussi... J'ai besoin d'une fille ici, s'il vous plaît. C'est aussi Méduse qui occasionne les boutons, les grosses acnés dans le visage de plusieurs femmes. Pourquoi? Parce qu'elle met de faux cheveux. Parce qu'elles trouvent qu'elles sont belles. Et Méduse, ce démon jaloux-là, ne supporte pas quand les filles de Sion, les filles de Jérusalem, s'appuient sur leur beauté en disant « je suis très belle ». Donc, elle a détruit le visage. En somme, elle a détruit le visage en provoquant des boutons dans le visage. Et c'est pourquoi vous allez voir que beaucoup de femmes qui ont dans le visage, dès l'instant, elles enlèvent les mèches, les faux cheveux. Écoutez-moi bien, mes bien-aimés. Dès l'instant, ces femmes-là vont retirer les faux cheveux de leur tête et se répentir, vous allez voir. Je vous donne même pas une semaine. Les boutons vont commencer à disparaître. Le Seigneur nous l'a dit. Les boutons vont commencer à disparaître d'eux-mêmes. Mais tant que vous gardez le produit de Méduse sur votre tête, elle va vous détruire le visage. Je l'ai rencontré 3 ou 4 fois dans ma vie chrétienne. Lors des délivrances, elle me l'a dit. Elle est jalouse de la beauté que Dieu a donnée aux êtres humains. Surtout aux femmes chrétiennes, aux filles de Jérusalem. Et en ce qui concerne les filles de Jérusalem, elles veillent, lorsqu'elles mettent ces choses, à l'aide détruire le visage en provoquant de gros boutons qui finissent par provoquer des rides ou des pustules dans le visage. Alléluia. Ça, Mohamed Sanogo, tu le savais. Pasolo Masoni Sinami, tu le savais. Et vous permettez que vos femmes et les filles de Dieu qui cherchent le salut viennent dans vos communautés avec de faux cheveux. Et vous pensez que vous irez au ciel? Alléluia. Gloire à Jésus. On n'a pas fini. Amen. Évidemment, lorsque vous utilisez tous ces produits contrefaits, ces produits qui font la promotion de la beauté artificielle, vous vous prosternez devant Astarté, vous vous prosternez devant Méduse, vous vous prosternez devant Jézabel, vous vous prosternez devant Diane, vous vous prosternez devant Mami Wata. Alléluia. Et c'est de ça que la parole de Dieu parle. Gloire à Jésus. 2 Chroniques 33, verset 3. Amen. Et donc, ma bien-aimée, toi qui as ces choses chez toi à la maison, toi qui suis ta commode à des parfums, des produits de beauté, à des produits pour augmenter ta poitrine ou ton postérieur ou tes jambes ou tes cuisses, à des produits pour séduire les hommes, à des produits que tu utilises dans ta partie intime pour faire mordre la poussière aux hommes et pour les amener des béni-oui-oui, des chiens qui vont tout te donner. Bien-aimé, je t'appelle à te répentir. Toi qui utilises n'importe quel type de parfum,
Je t'appelle à la repentance. Alléluia. 2 Chroniques 33, verset 3. 2 Chroniques 33, le verset 3. Alléluia. La parole de Dieu. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait réservés. Il éleva des autels au Baal. Et il fit des idoles d'Astarté. Voilà, voilà, voici. Bien-aimé, voici les idoles d'Astarté. Amen. Voici les idoles d'Astarté, de Mami Wata, de Diane, des faux cheveux, des cheveux colorés, des parfums, des encens. Regarde ce type d'encens. Regarde ce qu'il est marqué sur ce type d'encens. 666. 666. Regarde bien l'encens. C'est marqué 666. Et tu penses que 666, c'est le sceau de la bénédiction? C'est un sceau de la malédiction. Mais ces encens-là sont utilisés où? Dans l'islam, dans le catholicisme, dans le fétichisme, dans le maraboutage, et dans beaucoup d'autres domaines, ça ne te surprend pas. Et tu penses que cet encens-là est différent de... J'ai vu quelque chose là. Tu penses que cet encens est différent de Yves Saint-Laurent libre, de libre de Yves Saint-Laurent? C'est la même chose. C'est des déchets que tu mets sur toi. C'est des excréments que tu mets sur toi. C'est... Oh, aide-moi s'il vous plaît. C'est ça le bas blesse. Devant l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, devant le Dieu de la sainteté. Mais plaque le 666 là. Fais sans toute intelligence, je t'en prie. Attrape ça et puis on n'a qu'à voir. Alléluia. Devant l'Esprit de Dieu, le fait que tu mets des parfums sur toi, ou le fait qu'un marabout utilise ses encens, ou la mosquée, ou le système catholique, ou bien n'importe quel type de personne qui cherche la faveur ou n'importe quoi, devant Dieu, vous êtes pareil. C'est des déchets que vous mettez sur vous. Et le Seigneur ne peut pas sentir ces odeurs-là, parce que pour lui, c'est des parfums de mauvaise odeur. Alléluia. Bien aimé, c'est ça la vérité. Que ce soit pareil, c'est aussi pareil pour les poudres. C'est pareil pour les poudres. Les poudres parfumées qu'on sort. Tu ne peux pas les utiliser en tant que chrétien. En les utilisant, tu pèches contre la parole de Dieu. Tu pèches contre ton âme. Tu pèches contre les commandements de Dieu. Oui, la grâce même te dit que tu ne pourrais pas utiliser des toilettes élégantes. Quand en 1 Timothée 2, 9, le Seigneur parle de toilettes élégantes, il s'agit des parfums. Il s'agit des parfums. Qu'est-ce que tu appelles toilette élégante? C'est pas de l'eau que tu mets sur toi. C'est les huiles parfumées. C'est les senteurs que tu mets sur toi. En faisant ces choses, tu pèches contre ton âme. Je t'ai demandé tout à l'heure, lorsque tu mets ces choses sur toi, est-ce que tu sais l'effet que cela a sur ton âme? Amen. Et donc, toutes ces choses-là, et cette commode-là, devant Dieu, ce sont des hôtels dédiés à Astarté, des hôtels dédiés à Diane, des hôtels dédiés à Méduse. C'est pourquoi je t'exhorte, non seulement à te débarrasser de tes faux cheveux, mais aussi à te raser les cheveux défrisés que tu as fait. Parce que ni les faux cheveux, ni les cheveux défrisés que tu as fait, ce n'est pas le Seigneur Jésus qui te les a donnés. Tu allais les chercher dans le monde. Et c'est pourquoi tu dois te repentir de toutes ces choses. Et je le dis et je le répète, aucune personne qui ne met de parfum ne peut aller au ciel, ne peut espérer aller au ciel. C'est pas possible, c'est écrit. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Alléluia. Donc toutes ces choses, tu dois les détruire. Parfum, senteur, bougie, statue de Marie, statue de je ne sais quoi. Tu dois les détruire. Dieu n'est pas une idole. Dieu est plus grand qu'une idole. Tu as déjà vu la mer. Tu as déjà vu l'immensité de la mer. Tous ceux qui ont vu la première fois la mer ont tous eu peur à cause de l'immensité de la mer. Mais celui qui a créé la mer est plus immense que la mer. Et c'est cette forme-là que tu lui donnes. C'est cette forme-là que tu donnes à Dieu. Cette petite babiole, cette figurine-là, c'est celle-là que tu donnes à Dieu. Dieu est plus grand que ça. Mais la maison même dans laquelle tu vis est plus grande que ça. Et c'est cette babiole-là que tu donnes à Dieu. Bien-aimé, je t'en prie. Le Seigneur dit dans sa parole. Le Seigneur pouvait dire dans sa parole, il a dit ceci, qui peut me faire une maison? Le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Et il dit, je n'habite pas dans la maison je n'habite pas dans la maison faite des mains d'hommes. Mais si Dieu n'habite pas dans la maison faite des mains d'hommes, Dieu peut-il habiter dans une idole? Bien aimé, réfléchis. Et tu as ça sur ta commode, sans savoir que cela attire des démons. Et c'est ce qui provoque dans ta vie la présence des maris de nuit. C'est à cause de toutes ces choses que l'œuvre de la sorcellerie est manifeste dans ta vie. C'est à cause des miroirs, devant tous ces objets d'Astarté, de Méduse, de Jézabel, de Mami Wata, que l'œuvre de la sorcellerie n'arrête pas d'autopresser. C'est à cause de ça que tu as des femmes de nuit dans ta vie. C'est à cause de ça que, malgré les nombreuses délivrances que tu as faites, rien n'aboutit dans ta vie. Parce que toutes ces choses sont des démons et ils en veulent à ta vie. Quoi? Prenons qui? Yves Saint Laurent, Manifesto, homme en fête. Et prenons Libre, j'ai vu ça quelque part. J'ai vu un parfum qui s'appelait Libre. Bien aimé, Jean 8, 36 dit, si donc vous êtes en Christ, réellement vous êtes libre. C'est le Seigneur qui a franchi, qui rend libre. Non pas des parfums, c'est un blasphème. Hein? Si passionné. Regarde ce parfum-là. Giorgio Armani.
Giorgio Armani, si passionné. Bien aimé, le Seigneur Jésus dit en 2 Timothée 2, verset 22, fuis les passions de la jeunesse. Voici. Voilà Yves Saint-Laurent. Et regardez le symbole, la tête de Baphomet. Regardez le symbole de Yves Saint-Laurent. La tête de Baphomet. Et puis Laurent. Yves Laurent, c'est pas un saint. Il fait pas partie des saints. Nous connaissons Timothée. Nous connaissons Paul. Nous connaissons Simon Pierre, qui sont des saints. Nous connaissons Élie. Nous connaissons tous les prophètes dans la Bible, qui sont des saints. Mais Yves n'est pas saint. Et regardez, Yves Saint-Laurent. Et d'ailleurs, quand on parle des saints, le caractère du saint vient avant le nom. Saint Barthélemy, Saint Matthieu, Saint Paul. Mais le nom ne vient pas avant le caractère de saint. Et regardez ici, il est dit Yves Saint-Laurent. Bien aimé, c'est un blasphème contre le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Regardez ici. Regardez ce parfum-là. Yes, I am. Mais c'est le nom de qui? I am. C'est le nom de qui, mon bien-aimé? C'est le nom de Jésus. Gloire à Jésus. C'est le nom de Jésus. I am. Je suis. Selon Exode 3, verset 14, 12 à 14, le Seigneur va dire au patriarche Moïse, dis-leur que je suis m'a envoyé. Et on prend le nom de Dieu. Le nom de notre Dieu, on le donne imparfait. Puis toi qui es enfant de Dieu, tu mets ces choses sans savoir que tu pèches contre ton âme et tu pèches contre la parole de Dieu. Alléluia. Opium. Black opium. Mais l'opium est attaché à quoi? À la drogue, au cannabis, au chanvre indien, à la mèche. L'opium, c'est de la drogue. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu mets ça sur ton temple. Sur ton corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Et tu penses que Dieu va apprécier que tu vives ainsi? Oh, c'est sûr. Burberise. Burberise. Alléluia. Voilà plein de trucs. Plein de trucs qu'on retrouve dans la maison de plein d'enfants de Dieu. Alléluia. Bien aimé, tu dois te défaire de ces choses. Tu dois te défaire de ces choses. Hein, voilà un masque. Hein, voilà un masque. Oh, le Seigneur a horreur du déguisement. Voilà un masque. Voilà. Bon, là, j'aurais du mal à. Voilà un masque. Hein. Chrétien qui va à un bal masqué. Chrétien qui se déguise. Chrétien qui se maquille. Bien aimé, tu sais pas que se maquiller, ça veut dire donner l'illusion de ce qu'on n'est pas. Évidemment, lorsque tu te maquilles, tu donnes l'illusion de ce que tu n'es pas. Oh, Dieu ne veut pas que tu donnes l'illusion de ce que tu n'es pas. Il veut que tu sois égal à sa parole. Il veut que tu sois son imitateur. Et c'est ce que l'apôtre Paul pouvait dire. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Alléluia. Voici la confusion dans laquelle bon nombre d'enfants de Dieu sont et pour lesquels ils ne peuvent hériter du royaume des cieux. Alléluia. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia, permettez que je boive un verre de vin. Excusez-moi. Permettez que je boive un verre de jus. Amen. Un jus de fruits. Gloire à Jésus. Lorsqu'on lit Cantique 1, verset 3, il est dit, tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. Ce passage est d'abord adressé au Seigneur Jésus-Christ face à son Église. Mais ce passage aussi révèle le mystère qui se cache derrière les parfums lorsqu'on les porte sur soi. Je l'ai dit tout à l'heure, cela a pour effet non seulement de séduire, mais de pousser les gens à l'adultère, à l'impudicité, à la débauche, alléluia, à la dépravation sexuelle. Amen. D'ailleurs, lorsqu'on lit Matthieu 7, versets 27 à 28, amen, il est dit que, et il vous a été dit que tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous le dis, quiconque regarde une femme et la convoite, a commis l'adultère avec elle dans son cœur. Et donc, le parfum ici a pour but de pousser les gens à pécher avec leurs intentions. Vous savez, le drame, c'est quoi? C'est que lorsqu'on lit la Bible et qu'on la découvre dans sa vérité, on est choqué de savoir que les lois que le Seigneur a données à Moïse ne sont rien comparées aux préceptes que le Seigneur nous a donnés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sous l'aide de la grâce, il est plus facile de pécher que sous l'aide de la loi. Pourquoi? Parce qu'ici, le simple fait de penser est un péché. Le simple fait de penser du mal à quelqu'un est un péché. Le simple fait de convoiter une femme avec ses regards est un péché. Or, dans l'Ancien Testament, il fallait d'abord passer à l'acte avant qu'on ne qualifie un acte de péché. C'est pourquoi aujourd'hui, bien aimé, le niveau auquel le Seigneur Jésus attend que les brebis aient accès au ciel est plus élevé que dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi je ne voudrais pas que vous preniez cet enseignement à la légère. Ce n'est pas de l'amusement ce que nous sommes en train de faire là. Alléluia, gloire à Jésus. Et donc, tu ne peux pas te parfumer. Parce qu'en le faisant, tu perds ton âme. En le faisant, tu pèches contre Dieu. Alléluia. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les commandes que nous avons vues devant Dieu, ce ne sont pas simplement que de simples commandes, mais ce sont des autels dédiés à Astarté, à Diane et à Méduse et à Mami Wata. Gloire à Jésus. Amen.
Prenons le livre de Ésaïe. On a déjà lu 2 Chroniques 33, verset 3, c'est ça. Deutéronome 7, verset 26. Deutéronome 7, verset 26. Regarde ce qu'il est dit là. Deutéronome 7, verset 26. Amen. Et la parole. Amen. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison. Regarde ce qu'il est dit, mon bien-aimé. Il est dit, tu n'introduiras pas une chose abominable dans ta maison. Afin que tu ne sois pas comme cette chose. Afin que tu ne sois pas comme cette chose. Dévoué par interdit. Amen. Dévoué par interdit. Tu l'auras en horreur. Tu l'auras en horreur. Dévoué par interdit, ça veut dire retranché de la nation de l'Éternel. Amen. Mise à mort, lapidé. Amen. Jeté dans le feu de la gêne. C'est ce qu'on appelle quelqu'un qui est dévoué par interdit. C'est ce qu'on appelle vulgairement dans le Far West à l'époque, ça s'appelait les wanted, les recherchés. C'est quelqu'un qui est dévoué par interdit. Si vous le trouvez, ramenez-le vif ou mort, ou donnez-lui la mort. Alléluia. Oui. Tu l'auras en abomination. Tu l'auras en abomination. Car c'est une chose dévouée par interdit. Amen. Amenez-moi quelques parfums. Amenez-moi quelques produits qu'on a sur le bureau là-bas, s'il vous plaît. Amen. On peut les aider, s'il vous plaît. Non, on va aller vite. Amen. Évidemment, ces choses-là que tu appelles parfum et qui te remplissent d'orgueil et de fierté, le Seigneur Jésus dit qu'ils ne doivent pas rentrer dans ta maison, selon Deutéronome 7, verset 26. Amen. Le Seigneur Jésus dit que ces choses ne doivent pas rentrer dans ta maison. Tu ne dois pas les amener chez toi à la maison. Personne ne doit les porter chez toi à la maison. Alléluia. Si c'est toi l'autorité, tu dois interdire formellement ces choses dans ta maison parce que en les gardant chez toi, tu attires sur toi la foudre, la malédiction et cela peut permettre aux êtres méchants qui sont les démons ou les anges déchus de pénétrer ta maison, de voler tes biens, d'apporter la division, la discorde, l'infidélité, l'adultère et beaucoup de caractères qui ne sont pas conformes aux fruits de l'esprit. Alléluia. Amen. Car c'est une chose dévouée par interdit. Le verset 25. Regardez ce que le Seigneur attend de nous devant toutes ces choses-là. Amenez-moi quelques produits, pas forcément des parfums, n'importe quel type de produit. Deutéronome 7, verset 25. Le verset 25. C'est juste au-dessus. D'autres types de produits. Voilà. Deutéronome 7, verset 25. Alléluia. Amen. Vous brûlerez au feu les images taillées de leur Dieu. Tu ne convoiteras point et tu ne prendras point pour toi l'argent et l'or. J'ai peur que ces choses ne te deviennent un piège. Tu as entendu mon bien-aimé. Le Seigneur Jésus dit, ces produits-là, ces produits, voilà, des glosses, voilà, waouh, ça s'appelle waouh, voilà, des glosses, hein, connaître les glosses, c'est les rouges à lèvres, les roses à lèvres, les noirs à lèvres, voilà, c'est pour amplifier la texture des lèvres afin qu'à la vue qu'elle soit excitante. Amen. C'est pour exciter la vue de ceux-là qui vont regarder la lèvre. Évidemment, les jeunes filles, hein, les jeunes femmes le savent. Ce produit-là, lorsqu'ils les mettent sur les lèvres deviennent sensuelles. J'ai dit tout à l'heure que Dieu n'est pas dans la sensualité et ne veut pas que les filles de Jérusalem soient sensuelles, mais le Seigneur veut que les filles de Jérusalem soient modestes, dans la pudeur, dans la simplicité, dans l'effacement. Alléluia. Et non pas dans la sensualité, non pas dans les sexy. D'ailleurs, au ciel, il n'y a aucune femme sexy qui s'est retrouvée au ciel. Toutes les femmes qui étaient sexy sont aujourd'hui en enfer. Et toi qui te trouves sexy, si tu ne te répands pas de ton sexy, que tu meurs, le Seigneur va sans se gêner te jeter dans le feu de la gêne. Alléluia. Donc, le Seigneur ne veut pas que tous ces produits-là soient introduits dans nos maisons. Alléluia. Il dit plutôt, au verset 25, il dit, nous devons les brûler au feu. Alléluia. Il dit, nous devons brûler ces faux dieux-là. Nous devons les brûler. Amen. Et nous ne devons pas prendre sur nous l'or et l'argent qui est là-dessus. Ça veut dire quoi? Oh bon, j'ai un parfum, comme je ne veux pas l'utiliser, je vais le donner à ma sœur. Non. Ce sont des démons. Oui, Montgerlin, c'est un démon. Loulou Cacharel, c'est un démon. Amor, c'est un démon. Dior, Christian Dior, c'est un démon. Je l'ai dit la dernière fois. Christian Dior, ça veut dire Christian. Christian, c'est chrétien. Dior, c'est l'envers de Rouade. Chrétien, au peuple, au cours Rouade. Hein, on le voit dans dans Exode 33, versets 1 à 5, où le Seigneur traite Israël de peuple au cours Rouade. Et Rouade, le verlan ou l'envers, c'est Dior. Donc, Christian, c'est chrétien. Donc, c'est chrétien têtu, chrétien rebelle, chrétien soumis, chrétien fou, chrétien cervelé. Voilà comment le diable nous traite. Vous qui mettez des parfums. Alléluia. Et je crois que c'est
la marque Chanel, la marque de parfum Chanel, le principe ou le leitmotiv de Chanel, c'est Every woman and lives love Chanel. Toutes les femmes vivantes aiment la chair. Toutes les femmes vivantes aiment la volupté. Voilà ce que le diable dit des filles de Jérusalem. Il dit de vous que vous aimez la chair. À la limite, toutes les chrétiennes, c'est un blasphème, hein, c'est pas ce que ça veut dire. Toutes les femmes chrétiennes sont des prostituées. Voilà comment Satan nous qualifie. Puisque nous savons que Satan a tendance à maudire, à menacer, à intimider, à injurier. Alléluia. Et toi, tu mets ces choses-là sans savoir que tu pèches contre ton âme. N'écoute pas ton pasteur, écoute la voix de la sentinelle, écoute la parole de Dieu qui est bonne pour le salut de ton âme. Alléluia. Amen. Et évidemment, il y a, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un danger pour toi que d'avoir ces choses-là chez toi à la maison, sur ta commode, dans ta maison, que ce soit les miroirs avec toutes ces choses. En ce qui concerne les miroirs, je l'ai dit, on peut les garder, mais il faut les sanctifier et il faut les éloigner de tout ce qui est autel de Jézabel. Sans quoi, quand vous les mettez là, du coup, ça devient une porte interdimensionnelle. Évidemment, quiconque appellera votre âme sera volée et vos étoiles seront volées. Vous allez voir, quand on va rentrer dans les prières liées aux rituels, aux incantations des miroirs, vous allez voir que beaucoup de chaînes vont être brisées. Les gens seront choqués de savoir qu'ils ont été envoûtés par des miroirs devant toutes ces choses de Jézabel. Et c'est pourquoi toi qui as chez toi, tout ce que nous avons cité, des parfums, des produits cosmétiques, des huiles que tu mets dans ta partie intime pour séduire les hommes ou pour pousser les hommes à devenir comme des bénis, oui, des produits pour augmenter ta poitrine ou ton postérieur, des encens pour attirer la chance, des parfums pour briser des foyers, tu dois te débarrasser des choses et te repentir. Sans quoi, malheur à toi. Que représentent les parfums spirituellement selon la sainte doctrine? Apocalypse 5, verset 8. Apocalypse 5, verset 8. Que représentent spirituellement les parfums selon la sainte doctrine? Apocalypse 5, verset 8. Il dit la parole. Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les 24 vierges se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums. Qui sont les prières des saints. Alléluia. Amen. Apocalypse 5, 8 dit que quand il lui prit le livre, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Déjà, l'agneau, tu dois comprendre que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, lorsqu'on parle de l'agneau immolé, évidemment, c'est le Seigneur Jésus-Christ, mais c'est Dieu. Ici, le passage nous révèle la divinité, une fois de plus, la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et nous révèle ici que la prière, ce sont des parfums des saints. Amen. Donc, spirituellement, les parfums sont les prières des saints. Nos prières d'intercession, nos prières de proclamation, nos prières de combat. Amen. Nos prières d'autorité, ce sont des parfums devant le Seigneur Jésus-Christ. Et ce sont des parfums de bonne odeur. Alléluia. Amen. Quelles sont les conséquences qui se cachent derrière ceux qui utilisent les parfums? Ésaïe 3, verset 24. La première phrase, les deux premières phrases. Ésaïe 3, verset 24. Et Lévitique 26, verset 31. Ésaïe 3, verset 24. Amen. Au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Alléluia. Point final. Voilà ce que le Seigneur Jésus dit. Et c'est ce que Naïli Gomez disait dans le témoignage. C'est le Seigneur même qui va lui donner la révélation et ce passage-là. Au lieu de parfum, cette personne qui avait pour habitude, au passage, de mettre des parfums, au lieu de parfum, puisque le Seigneur de Jésus, en Exode 30, au verset 38, va dire que quiconque en fera de semblable pour le sentir sera retranché de son peuple. Évidemment, la Bible dit qu'ici, au lieu des parfums, les parfums que tu mettais sur toi, dans lesquels tu avais le sentiment d'orgueil, de fierté, d'avoir une certaine assurance, une certaine aisance qui faisait que tu parlais avec dédain, avec mépris, tu t'animais d'un esprit de séduction. Le Seigneur Jésus dit, au lieu de ces caractères-là, ce sera de la putréfaction, ce sera de l'infection. Alléluia. Lévitique 26, verset 31. Une autre conséquence de ceux-là qui utilisent des parfums. Alléluia. Lévitique 26, verset 31, excusez-moi. Je réduirai vos villes en désert. Je ravagerai vos sanctuaires et je ne respirerai
plus l'odeur agréable de vos parfums. Alléluia. Voici qui est clair. Maintenant, prenons Genèse 8, versets 20 à 21. Et on va révéler le mystère qui est caché derrière Genèse 8, versets 20 à 21. Genèse 8, verset 20. Amen. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Amen. Il couille de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes friables. Alléluia. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre Amen. À cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Amen. Alléluia. Regardez, on va ensemble. Alléluia. Revenons sur le mystère caché qui se retrouve dans Genèse 8, versets 20 à 21. Voilà. Donc, comme je disais tantôt, Noé ici, c'est qui? C'est Jésus. Bâtit un autel à l'Éternel. Bien entendu, c'est préparer l'église du Seigneur Jésus-Christ pour l'enlèvement. C'est ce qui veut dire bâtir un autel à l'Éternel. Il prie de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Amen. Ici, les bêtes pures et les oiseaux purs représentent Israël et les saints, c'est-à-dire les fils d'adoption que nous sommes. Amen. Offrir des holocaustes ici, c'est le sang de Jésus, hein, versé à la croix de Golgotha et sa vie qu'il nous a donnée en signe de rachat pour nos âmes afin d'hériter de lui la vie éternelle. Amen. C'est ici, c'est ce qui veut dire offrir des holocaustes. Amen. Et l'Éternel sentit une odeur. Amen. L'odeur agréable que l'Éternel a sentie, ce sont les actes liés au fruit de l'Esprit et la prière de tous les saints. Et la prière de tous les saints. Ce sont les actes liés au fruit de l'Esprit et les actes de tous les saints. Amen. Alléluia. C'est comme on dit, la foi sans les œuvres ne peut sauver. Amen. Évidemment, la foi et les œuvres donnent accès au ciel. Je ne peux pas dire que j'ai foi au Seigneur Jésus-Christ si je refuse de me soumettre à sa parole. Si on donne un commandement et puis je dis non, le commandement, tu sais, il est contextuel, ça s'adresse aux femmes, non, c'était à Corinthe, non, les femmes maintenant peuvent porter le pantalon, on est en 2023, et tu sais, maintenant, il faut vivre Christ selon l'ère du temps. Non, Christ n'est pas dans l'ère du temps. Déjà, je veux te rappeler que le Seigneur Jésus n'est ni dans la modernisation, ni dans la civilisation, ni dans la tradition. Il n'a que faire de cette façon de faire les choses. Le Seigneur Jésus reste égal à lui-même, il est dans sa parole. C'est pourquoi la parole de Dieu, que Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il est dans sa parole. C'est pourquoi il est dit aussi dans sa parole que les traditions des hommes ne sont que vanité. Amen. Et aussi en Genèse, en 1 Jean 2, verset 15 à 17, le Seigneur Jésus dit au verset 17 que il n'est pas dans la mondanité, amen, et que la mondanité va passer, mais seul qui garde sa parole demeureront éternellement. Alléluia. Donc ce que le Seigneur Jésus attend de toi, c'est que tu te sépares de ces choses. Et en Romains 12, au verset 2, il est dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Le Seigneur ne veut pas que tu te conformes au siècle présent. Le siècle présent veut que tu te parfumes. Le siècle présent veut que tu augmentes ta poitrine. Le siècle présent veut que tu augmentes ton postérieur. Le siècle présent veut que tu te dépigmentes la peau. Le siècle présent veut que tu maquilles tes lèvres. Le siècle présent veut que tu utilises des poudres que tu vas te mettre dans la partie intime dans le but de séduire des hommes et leur dévorer tout leur salaire. Le siècle présent veut que tu utilises des huiles parfumées dans le but de séduire, de détruire des vies, de gâcher des carrières, de briser des foyers. Le siècle présent veut que tu utilises des senteurs pour attirer la faveur, la chance et beaucoup de choses. Le siècle présent veut que tu mets des parfums sur toi dans le but de plaire dans la société. Bien aimé, on ne vit pas pour plaire à la société. On vit pour plaire à l'époux et l'époux c'est Jésus. On vit pour se préparer pour le ciel. D'ailleurs, la Bible dit que nous sommes des voyageurs ici-bas. Est-ce que le voyageur doit s'accommoder des choses du monde? Non. Le Seigneur veut que tu te prépares pour le ciel. Parce qu'ici, la vie que tu mènes, elle est passagère. Elle est pourquoi? 50 ans, 60 ans, 70 ans, pour les plus forts ou les robustes, 120 ans. Ce que le Seigneur veut, c'est que d'ici, tu prépares le royaume céleste. Mais cela se passe comment? Dans le dépouillement du corps, dans la sanctification du cœur, dans la sanctification de l'esprit, dans la vérité, dans la justice, dans la persévérance, dans la foi, dans le renoncement, dans la vie de consécration, dans l'évangélisation, dans la vie de prière, dans la vie de méditation de la parole de Dieu. Voilà comment tu dois préparer ta place au ciel, ta demeure au ciel. Sans quoi, si tu vis dans les raisonnements de « moi, tant que mon pasteur ne m'a pas dit, moi, dans mon église, on n'enseigne pas ça, nous, on ne nous a jamais dit ça », mon bien-aimé, tu vas te fourvoyer. C'est avec la parole de Dieu que le Seigneur va condamner le monde. Et c'est aussi avec la parole de Dieu que le Seigneur va justifier ses saints. Tu veux être quoi? Justifié par la parole de Dieu ou condamné par la parole de Dieu? À toi de faire le choix.
À toi de faire le choix, mon bien-aimé. À toi de faire le choix, comme il est dit en Deutéronome 30, versets 15 à 20. À toi de faire le choix, soit d'être justifié par la parole ou d'être maudit et condamné, jeté dans le feu de la gêne pour l'éternité au travers de la parole de Dieu. Bien-aimé, je t'appelle à la repentance. Prenons 2 Chroniques 7, verset 14. Et quelqu'un prend 1 Jean 1, verset 9. Nous allons nous arrêter là. 2 Chroniques 7, verset 14. 2 Chroniques 7, verset 14. 2 Chroniques 7, verset 14. Alléluia. Amen. Si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alléluia. Voici ce que le Seigneur Jésus dit. Il t'appelle à la repentance. Il t'appelle à abandonner ces faux dieux-là. Il t'appelle à ne plus te prosterner devant ces choses-là. Regardez ce parfum-là. Regardez celui-là. Il a le symbole du cadenas. Et dans le monde occulte, les cadenas sont utilisés pour posséder des gens. Un homme vous drague, il ne vous intéresse pas. Il a votre nom, il a votre photo sur Instagram, sur Telegram, sur Facebook, sur WhatsApp ou sur d'autres réseaux sociaux. Il n'a qu'à récolter votre nom et votre photo. Il amène un cadenas chez un marabout et un parfum. Ils vont travailler le cadenas avec des poupées, hein, des poupées qu'on voit dans le vaudou, des poupées qu'on appelle des figurines ou des théraphimes. Hein, chez nous, en Ani, ça s'appelle des abba-abba. Hein, c'est des figurines comme ça, avec des fils. J'ai vu le fil là-même. Un fil blanc comme ça. On peut me l'envoyer, s'il vous plaît. Un fil blanc. Voilà. Et donc, voilà. Le fil va être utilisé avec le cadenas et un senteur. Amen. Voilà, le senteur, le cadenas, les figurines, 2 figurines, l'homme et la femme. L'homme va représenter celui qui vous courtise et dont vous lui résistez. Et la femme, hein, la figurine femelle, ce sera vous. Avec des fils, c'est du fil blanc comme ça. Amen. Et ils vont attacher les 2 figurines avec le cadenas. Amen. Comme ça, attachés au fil. Amen. Et ils vont déverser tout le senteur là-dessus. Amen. Ou ils vont travailler le senteur avec des versets coraniques. Merci Seigneur. Avec des versets coraniques. Et le marabout va faire. Hein, il va déclarer des paroles incantatoires sur la base de votre nom, sur la base de votre photo et sur la base du nom et la photo du monsieur. Et il va vous dire, allez donner le parfum à la bonne dame. Ma bien-aimée, évitez de prendre des parfums. Déjà même la Bible nous interdit de prendre des parfums. Mais ne prenez pas comme cadeau des parfums, cadeau de mariage ou beaucoup de choses. Ça risque de créer le trouble dans votre foyer. Malheureusement, beaucoup de couples, étant dans l'ignorance, ont accepté des cadeaux de mariage, ont accepté en cadeau de mariage des parfums. Et d'un instant, l'homme ou la femme s'est embaumé avec le parfum, patatras. Le foyer est devenu une guerre. La guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et jusqu'à présent, le foyer ne va pas. Toi qui te sens concerné par ce message, viens nous rencontrer, nous allons prier pour toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Je vais rappeler rapidement les thèmes. Amen. Hein, le thème de ce matin, selon la dispensation que le Seigneur a mis en mon cœur, est « Connais-tu l'origine des parfums que tu utilises et leur sens spirituel ? Sais-tu l'impact que les parfums ont sur ton âme ? Ce parfumé est-il un péché ? Ce parfumé peut-il conduire en enfer ?» Mon bien-aimé, à la réponse des 2 dernières questions, nous avons compris que ce parfumé est un péché. Pourquoi ? Parce qu'à la base, l'Éternel avait demandé au sacrificateur de fabriquer les parfums pour lui rendre un culte. Marie de Magdala ayant compris la science qui était cachée derrière, va utiliser un parfum de nard de grand prix qu'elle va embaumer sur les pieds du Seigneur Jésus-Christ et utiliser ses cheveux pour les essuyer. Ce qui était le symbole de la reconnaissance de la divinité, de la gratitude de ce que le Seigneur avait fait pour elle. On a vu que Marie de Magdala l'avait fait parce que le Seigneur l'avait délivré de 7 démons. Alléluia. Amen. Et évidemment, je peux le dire, je le dis et je pèse mes mots. Ce parfum est un péché et celui qui se parfume et qui meurt, il ira en enfer. Tu peux me contester, tu peux dire que je suis un fou, tu peux dire que je suis un demeuré, tu peux dire tout. Mais mon bien-aimé, laisse-moi te dire que moi, le Seigneur m'a fait la grâce d'aller dans le séjour des morts. Toi, tu es déjà allé. Moi, qui te parle, le Seigneur m'a fait la grâce. Je le dis pas par orgueil, mais je le dis parce que le Seigneur a voulu que j'aille, pour que lorsqu'il va me donner l'enseignement sur le parfum, que je parle tout en sachant de quoi le Seigneur voulait parler. Plusieurs versets ici interdisent le port des parfums. Toi qui l'aimais, tu comptes sur quoi? C'est pourquoi je t'appelle à la repentance. Prenons 2 Chroniques 30, versets 8 à 9. On va arrêter là et je vais faire la prière de la fin. 2 Chroniques 30, versets 8 à 9.
Ah, mon cœur saigne. Le cœur du Seigneur saigne parce que des millions d'âmes, chaque année, perdent leur salut à cause des parfums. Pendant qu'on est là, le Seigneur a mal. Le Saint-Esprit a mal. Parce que plusieurs vont dire, c'est du mensonge, c'est sectaire, comment on peut ne pas se parfumer et tout ça. Alléluia. Bien-aimé, je vais te donner des palliatifs avant que l'homme de Dieu ne lise 2 Chroniques 30, versets 8 à 9. Regarde, tu peux utiliser des sucres, tu peux utiliser le citron. Voilà, que tu vas trancher en deux et le jus du citron le mettre dans les aisselles afin de couper les odeurs. Nous savons que le citron est un très bon antiseptique. Amen. Tu peux utiliser la pierre d'Arlon. C'est une pierre blanche hein, qui se vend dans les pharmacies et même dans les marchés. Vous allez au marché, vous demandez aux femmes à Nango, elles vont vous vendre la pierre d'Arlon. En pharmacie, vous dites simplement pierre d'Arlon, c'est une pierre blanche. Vous utilisez la pierre, vous la mouillez avec un peu d'eau. Voilà. Et vous la mettez sous les aisselles, hein, un peu sur le cou, vous allez voir. Ça aura pour effet de couper les odeurs sur plus de 24 heures. D'ailleurs, même la pierre d'Arlon est utilisée dans les produits hein, de parfumerie. Voilà, ça a pour effet de couper les odeurs, voilà, et de vous permettre d'être agréable au service, en société, à l'école, au marché, et tout ça. Voilà quelques palliatifs que le Saint-Esprit nous a donnés. Mais ces choses-là, livre de Yves Saint-Laurent, sensuelle femme, histoire de femme sensuelle de Maubussin, voilà, Mon Guerlain, Amour à mort, Duty, XX, Langue de serpent, Séduction, Marabout, Sinclair, voilà, Cercueil, voilà, des parfums qui s'appellent Sinclair, qui s'appellent Serpent, des parfums qui s'appellent Dragon, voilà, des parfums qui s'appellent Aqua d'Igua, et on voit une sirène qui sort des eaux et tout ça, tu ne peux pas les mettre sur toi. Et Aqua d'Igua, ça veut dire, hein, les esprits qui viennent de la mer, Aqua d'Igua, l'eau qui vient de l'eau. Amen. Et je veux terminer avant que l'homme de Dieu ne lise 2 Chroniques 30, versets 8 à 9. Lorsque vous êtes devant la télévision, que vous regardez Canal Horizon, puisque c'est de là que beaucoup de choses viennent, beaucoup de choses révélatrices sortent. Quand vous regardez les pubs de parfumerie, vous allez remarquer que on a plusieurs symboles de la sorcellerie dans les publicités de parfumerie. Le premier symbole, c'est la couleur rouge et noire. C'est un symbole phare de la sorcellerie. Tous les occultistes ont pour symbole le rouge et le noir. Et le blanc. Amen. C'est les couleurs qu'on retrouve dans la parfumerie, surtout dans les publicités de parfumerie. Un autre symbole de la sorcellerie qu'on retrouve dans la parfumerie, c'est la nudité. Vous allez remarquer que dans toutes les publicités de parfum, vous allez voir des femmes nues, à moitié nues, en maillot de bain, soutien et slip, ou soutien et string. C'est à se demander, mais quel est le rapport entre le parfum et la nudité d'une femme? Je vais t'expliquer quel est le rapport. Parce que derrière le parfum, il y a la séduction, il y a la dépravation sexuelle. D'ailleurs, tous les agents de Satan, pour faire des rituels humains ou des rituels sexuels, utilisent des parfums. Tous les satanistes le savent. Alléluia. Amen. Et donc, derrière les parfums, il y a la nudité, parce que ce produit-là, de Satan, se cache la séduction, la dépravation sexuelle, la débauche, les orgies sexuelles, la sodomie, la fellation, la pédérastie, le lesbénage et beaucoup d'autres infamies qu'on retrouve dans les vices ou dans l'impudicité. C'est pourquoi vous allez voir que dans la quasi-totalité des publicités de parfum, il y a toujours un homme nu ou une femme nue. Un homme en maillot de bain, tablette de chocolat, biceps, on va dire Napoléon, hein, on va le dire comme ça, un bel homme taillé dans du bois, avec tous ses pectoraux, toute sa musculature dehors pour séduire. Vous allez voir des femmes fines ou des femmes avec des rondeurs derrière les parfums, parce que Satan sait ce qu'il fait. Je l'ai dit, ces choses viennent de l'enfer. Et ces choses ne viennent pas pour, et de la mer. Ces choses ne viennent pas pour faire plaisir à ton âme. Ces choses viennent pour conduire ton âme en enfer. Alléluia. Un autre symbole de la sorcellerie qu'on retrouve dans la parfumerie, c'est les vêtements sexy. Lorsque vous voyez ces femmes ou ces mannequins, derrière chaque produit, vous allez voir les tenues qu'elles portent. C'est pas le voile et des longues robes amples. C'est pas le voile et des jupes amples. Non, non, non. Ou des hauts amples. Non, c'est pas ça. C'est plutôt, un vêtement qui est cousu à moitié, c'est-à-dire on voit la robe de nuit qui arrive jusqu'à à mi-cuisse, et on voit la partie intime de la dame et le produit. Vous allez voir des bustiers, hein, la dame porte un bustier où on voit quasiment sa poitrine, ses aisselles, son dos et toutes les autres parties de son corps qui peuvent séduire. Amen. Vous allez voir un autre symbole de la sorcellerie derrière la parfumerie, c'est les serpents. Dans beaucoup de publicités de parfums, vous allez remarquer qu'il y a toujours des serpents.
La bonne dame va mettre le serpent à son cou, le serpent, elle est couchée à côté du serpent, le serpent est entre ses jambes, le serpent même va jusqu'à vouloir rentrer dans sa partie intime. Allez, allez sur Google et regardez. Vous allez être choqués de ce que je suis en train de vous dire. Alléluia. Amen. Nous savons que un autre symbole encore de la sorcellerie dans les parfums. Vous allez voir une dame avec un air sensuel en train de manger une pomme. Mais quel est le rapport entre la femme qui mange une pomme et les parfums? Mais c'est la provocation, c'est la chute. C'est la chute de l'humanité. Tu n'as pas compris, c'est la chute de l'humanité. Et Satan s'extasie devant l'ignorance de bon nombre d'enfants de Dieu qui disent non, c'est le cœur, c'est le cœur. Proverbe 28, verset 26 dit que celui qui place sa confiance en son cœur est un insensé. Mon bien-aimé, je t'en prie, répands-toi et arrête de dire non, c'est le cœur. Dieu n'a que fait d'un cœur qui est rempli d'immondices, qui est rempli de débauches. C'est du cœur que viennent tous les vices, toi-même tu le sais. Qui peut dire, moi j'arrêterai de fumer, puis avec son cœur il va arrêter. Qui peut dire, avec mon cœur je vais arrêter de me masturber, il va arrêter. Bien-aimé, tu as besoin d'être assisté par le Saint-Esprit. Alléluia. Et donc voici toute la magie et la sorcellerie qui se cache derrière la parfumerie. Donc en tant que chrétien, bien-aimé, tu ne peux pas te parfumer. En le faisant, tu pèches contre ton âme. Et si tu meurs, malheur à toi, le Seigneur va te jeter dans le feu de la gêne. Il n'aura pas de compassion pour toi. Comme on jette des vieux objets d'une maison dans le feu, on les brûle parce qu'on n'en a plus besoin. Ainsi, le Seigneur va te jeter dans le feu. Alléluia. J'avais demandé à ce qu'on charge ça. Alléluia. Chut. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vous en prie, ne soyez pas distrait. Ne soyez pas distrait quand vous venez dans le studio. Gloire à Jésus. Restez concentrés. Amen. Je t'en prie, mon bien-aimé. Avant que l'homme de Dieu n'achève cet enseignement, je souhaiterais que tu rentres en toi-même. Vous savez, naturellement, les gens ont pour habitude de prier comme ça. Seigneur, je veux une femme. Seigneur, je veux un homme. Seigneur, je veux me marier. Seigneur, je brûle. Tu sais que bientôt, j'aurai 40 ans. Je veux me marier. Seigneur, donne-moi un travail. Seigneur Jésus, je veux ceci, je veux cela. Seigneur, je veux voyager, je veux le visa. Mais ça, c'est pas des prières. Je vais être honnête avec toi, tu n'as même pas besoin de prier pour ces choses. Je vais être très honnête avec toi. Peut-être que ça va te choquer. Moi, je n'ai jamais prié pour avoir tous les biens que le Seigneur m'a donné. Oui, je te dis la vérité. Tout ce que le Seigneur m'a donné jusqu'à présent, je n'ai jamais prié pour avoir un seul coupec. Quoique c'est vrai que quand j'étais dans le monde, j'étais très inquiet pour ces choses, parce que j'étais dans le monde. Mais depuis que je suis venu à Christ, j'ai bien compris qu'en fait, c'est fait la volonté du Seigneur Jésus-Christ qui provoque la bénédiction. Donc on m'a dit que soumission à la parole de Dieu est égale à la bénédiction, et si on persévère dans la foi, est égale à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur ne veut pas qu'on se concentre sur des choses abstraites. Il veut qu'on se concentre sur sa parole. Il veut qu'on la mette en application. Il ne veut pas qu'on soit, qu'on se borne à écouter sa parole. Mais le Seigneur veut qu'on soit des applicateurs de sa parole. Tu dois prier, je ne sais pourquoi, pour être brisé par rapport à l'impudicité. Tu dois prier pour que le Seigneur retire de toi l'orgueil, la colère. Tu dois prier pour que le Seigneur retire de toi le mensonge, l'adultère. Tu dois prier, jeûner, pour que le Seigneur retire de toi toutes ces choses qui sont liées aux œuvres de la chair. Voici les raisons pour lesquelles tu dois prendre des moments de jeûne et de prière. Mais mon bien-aimé, pour une maison, pour un homme, pour une femme, tu n'as même pas besoin de prier pour cela. Pendant que tu es en train d'exécuter la parole de Dieu, pendant que tu es sur le terrain de l'évangélisation, pendant que tu te sanctifies corps, âme, esprit, le Seigneur qui connaît tes besoins mieux que toi, attirera à toi la grâce, la faveur, la bénédiction, l'élévation, la promotion, le mariage, l'enfantement, toutes ces choses. Toi, tiens-toi à la brèche et sers Dieu. Voici la vérité. L'ennemi vous a détourné. Vous savez, c'est ça le drame. L'ennemi vous a menti en appelant ses agents, des agents de Satan qui se font passer pour des pasteurs dont j'ai cité le nom. Et je ne me tairai jamais de dire le nom, hein, la clique de Carambirio Constant, qui sont des agents de Satan, qui sont en train de vous détourner de l'essentiel. C'est ça le problème. Ivan Castanet, constamment bien-aimé, ils sont en train de vous détourner de l'essentiel. Ils ne vous prêchent pas le salut, ils ne vous prêchent pas le dépouillement du corps, ils ne vous prêchent pas la sanctification du cœur et de l'esprit, ils ne vous prêchent pas la repentance, ils ne vous prêchent pas la persévérance, la justice et la vérité, ils ne vous prêchent pas la crainte de Dieu. Ils vous prêchent les parfums, ils vous prêchent les voitures, ils vous prêchent le comment posséder son territoire, comment réussir. C'est pas des hommes de Dieu. Et qui d'autre même autre? Raoul Vafo, ce ne sont pas des hommes de Dieu, mon bien-aimé. Je pèse mes mots. Je suis prêt à recevoir d'une plainte ou une injonction ou n'importe quoi d'un procureur, mais je ne me tairai pas sur ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Bien-aimé, ils sont en train de te détourner de l'essentiel. Tu penses que si c'était pour le mariage, les pharisiens allaient demander à ce que le Seigneur Jésus soit vendu et crucifié? Tu penses que si le Seigneur Jésus, si l'évangile du Seigneur Jésus se résultait à posséder une maison, à avoir un visa, tu penses que les sadduciens, les scribes, les docteurs de la loi allaient demander par jalousie que Judas Iscariote le vende Jésus et qu'il soit crucifié? Tu penses que si c'était l'évangile du mariage, quelqu'un allait donner la mort au Seigneur Jésus? Tu n'as pas compris que l'évangile du Seigneur Jésus est diamétralement opposé à ce que ces gens enseignent?
Tu n'as pas compris ça, mon bien-aimé. Tu vas pas te réveiller en ce temps de la fin et préparer ta lampe et tes huiles pour le ciel. Tu ne sais pas que le Seigneur Jésus vient chercher, non pas des adeptes d'un pasteur, non pas des adeptes d'un gourou, mais des disciples. Oh non, je suis méthodiste, je suis catholique, je suis athée, je suis témoin de Jéhovah. Le Seigneur Jésus n'a que faire de ta communauté. Va lire Matthieu 28, verset 18 à 20. Le Seigneur pouvait dire, Matthieu 28, verset 19 à 20. Le Seigneur pouvait dire, allez dans toutes les nations et faites des disciples. Bien aimé, le Seigneur vient chercher des disciples. Et c'est ce que je suis en train de faire de toi ce soir. Je ne suis pas en train de chercher à ce que tu sois un adepte de l'apôtre Abraham. Je ne suis pas en train de chercher à ce que tu sois un adepte du gourou, l'apôtre Abraham. D'ailleurs, je ne suis ni un gourou, ni un révérend. Je suis simple serviteur. Et ce que je suis en train de faire de toi, c'est de te préparer pour le ciel. Mais bien aimé, si on ne te prêche pas cette vérité dure pour laquelle le Seigneur a donné sa vie, comment tu peux avoir le ciel? Alléluia. Comment tu peux avoir le ciel, mon bien-aimé? C'est pourquoi je te prie de te réveiller. Ne les écoute pas, ces gens-là. Ils ne sont pas là pour te préparer pour le ciel. Ils ne t'aiment pas. Tout ce qui les intéresse, c'est ton argent. Tout ce qui les intéresse, ce sont tes biens. Mais tu te poses. Oh, mais regardez comment on vous enclave, on vous a emmuré. Comment dans les églises, on vous demande de payer avant d'entrer dans l'église. Comment dans les églises, le pasteur vous demande de payer avant qu'on vous reçoive. Or, la femme qui saignait pendant 12 ans a touché le vêtement du Seigneur Jésus sans payer un seul iota. Et en plus, elle était guérie. Vous ne comprenez pas que c'est des aventuriers qui se foutent royalement du salut de votre âme. Vous n'avez pas compris cela et c'est à moi que vous jetez la pierre. Mais malheur à vous si ne vous répondez pas. Bien aimé, on sera tous jugés devant le grand trône blanc. Tous on sera appelés à mourir. Mais ce serait dommage que tu meurs sans avoir connu la vérité. Ce serait dommage que tu meurs en acclamant des hommes. N'est-il pas dit maudit soit celui qui passe en confiance en un homme? Tu vas pas te réveiller un jour, prendre des moments de jeûne et prier et demander si la communauté dans laquelle tu es et cette doctrine de démon qu'on t'enseigne. Si tu meurs là-dedans, où va aller ton âme? Tu n'as pas compris que sur le dernier réveil, qu'il n'y a qu'une seule barque. Il n'y a pas deux, trois églises. Le Seigneur a dit à l'apôtre Pierre, sur toi, je bâtirai mon église. Oui, il a dit, apôtre Pierre, sur toi, si tel, je bâtirai mon église. Il n'y a qu'une seule église, mon bien-aimé. Il n'y a qu'un seul réveil et c'est le dernier. Regarde, tous les saints dans le monde entier sont en train de se mettre en branle. Tu ne te réveilles pas. Tu n'es pas fatigué de porter tes cheveux qui t'ont frappé dans l'OPC qui font qu'aujourd'hui tu n'as plus de cheveux. Tu ne te réveilles pas de ta dépigmentation. Tu ne vas pas te repentir de ta dépigmentation, ma bien-aimée. Et demande au Seigneur de te pardonner pour ton ignorance et chercher à retrouver ta vraie peau, ton vrai teint. Tu n'es pas fatigué de mettre de fossiles, de changer la couleur de tes yeux en mettant des lentilles de contact. Ma bien-aimée, tu vas pas te réveiller. Mon bien-aimée, tu n'es pas fatigué de prendre la drogue, de fumer la cigarette, de suivre des hommes. Tu n'es pas fatigué de te mentir à toi-même. Tu es dans la masturbation, tu dis que tu es homme de Dieu. Tu es dans la pornographie, tu dis que tu sers Dieu. Tu vis avec des copines, tu dis que tu es chambre de l'Éternel. Vous n'êtes pas fatigué un moment. Vous ne venez pas venir servir Dieu en esprit, en vérité, être heureux de servir Dieu sans hypocrisie. Oh bien-aimé, je t'en prie. Le Seigneur Jésus t'aime, mais il n'aime pas le péché dans lequel tu es. Tu n'as pas compris cela. Et tu vois des femmes qui vont évangéliser en pantalon, des femmes qui vont évangéliser avec des mèches. Mais tu te mens à toi-même. Tu peux gagner qui avec ça? Et quand on parle, on dit non, parler de l'amour. Mais l'amour de Dieu consiste à parler de ses commandements. Tu n'as pas compris que lorsque les apôtres, dans le livre des actes des apôtres, allaient de ville et de nation en nation, c'est les commandements de Dieu qui parlaient. C'est ça l'amour de Dieu. Quel amour dont on peut parler sans parler des commandements de Dieu? Comment on peut dire qu'on aime quelqu'un sans savoir ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas? Et quand on vous dit ce que le Seigneur aime et ce que le Seigneur n'aime pas, vous dites de parler de l'amour. De quel amour vous voulez qu'on parle? Dites-moi, de quel amour vous voulez qu'on parle? Vous ne savez pas que le Seigneur est las de votre vie de péché? Bien-aimé, toi qui m'entends, qui a encore de la cohérence, toi qui m'entends, qui a encore la crainte de Dieu, toi qui m'entends, qui veux réellement aller de l'autre bord avec le Seigneur Jésus. Toi qui m'entends, qui es fatigué des jérémiades, des faux pasteurs, qui vous parlent de miracle, prospérité, tu veux vraiment servir le Seigneur, c'est l'occasion pour toi. Tu vas te mettre en genoux. Tu vas t'humilier. L'homme de Dieu va lire le passage. Et juste après, je vais faire une prière simple. Je sais que l'Esprit de Dieu va te visiter. Ne raidissez pas votre cou, comme vos pères. Donnez la main à l'Éternel. Venez à son sanctuaire, qu'il a sanctifié pour toujours. Et servez l'Éternel, votre Dieu, pour que sa colère ardente se détourne de vous. Amen. Si vous revenez à l'Éternel, vos frères et vos fils trouveront miséricorde auprès de ceux qui les ont emmenés captifs. Et ils reviendront dans ce pays, car l'Éternel, votre Dieu, est compatissant et miséricordieux. Et il ne détournera pas sa face de vous si vous revenez à lui. Si vous abandonnez vos parfums,
si vous abandonnez vos secrets, si vous abandonnez les produits qui augmentent vos postérieurs, vos seins qui augmentent toutes les parties de votre corps, si vous abandonnez toutes ces choses hein, qui ont le but de satisfaire la chair et non pas l'esprit, si réellement vous vous remettez en cause, vous rentrez en vous-même et que vous vous dites « Seigneur, j'ai mal agi. Je te prie de me pardonner parce que tu as dit dans ta parole que je ne tiens pas compte du temps d'ignorance. Aujourd'hui, je veux repartir à zéro avec toi. » Bien-aimé, voici ce que tu vas faire à l'instant même. Tu vas rentrer dans ta chambre. Non, ne te prosterne pas. La commode que voici, check là-bas. La commode que voici, tu vas prendre sur la base de Deutéronome 7, versets 25 à 26. Tu vas prendre tes faux cheveux. Tu vas prendre tes idoles de statue de Marie. Tu vas prendre tes idoles de sacrifice de crucifix. Tu vas prendre tes perles aux reins, tes bracelets, tes chaînes, tes boucles d'oreilles. Tu vas prendre tes faux cheveux. Tu vas prendre tes parfums, tes produits cosmétiques. Tu vas prendre tes huiles parfumées que tu utilises pour ta toilette intime dans le but de séduire des hommes et de faire de des bénis oui. Tu vas prendre tes encens. Tu vas prendre tes bagues, même ta bague de mariage, toutes ces choses. Tu vas les mettre dans un sachet. La première des choses que tu feras, tu vas les mettre quelque part dans le coin de ta maison, tu vas tous les brûler sur la barre de Deutéronome 7, verset 25. Oh, bien-aimé. Bien-aimé, il ne peut pas avoir, le Seigneur ne peut pas te pardonner tes péchés s'il n'y a pas de restitution. Si tu ne répares pas le tort que tu as fait, tu vas commencer par là. Brûler toutes ces choses-là, parfum, produits cosmétiques, produits de beauté, produits éclaircissants, faux cheveux, faux cils, produits qui changent la couleur de ta peau, produits pour te défriser les cheveux, produits de les défrisants, les poudres, parfumés et beaucoup de choses, les huiles et les produits pour augmenter ton postérieur, ta poitrine, pour augmenter tes hanches ou tes cuisses, les produits que tu utilises dans le but de laver ta partie intime et d'amener les hommes à être détruits par toi. Tu vas te débarrasser de toutes ces choses-là. Tes bougies parfumées avec lesquelles tu pries pour avoir la faveur ou la chance, tes parfums que tu utilises pour attirer les hommes ou les femmes, tu vas détruire toutes ces choses. Et quand tu auras fini de les détruire, tu vas venir te prosterner devant ton lit. Et tu vas faire cette prière après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je me suis trompé de culte. Je pensais te rendre un culte en suivant des hommes qui se sont fait appeler des pasteurs. Mais malheureusement, j'ai été trompé par eux. Et moi-même, j'ai été trompé par moi-même, car pensant que te rendre un culte, c'est suivre la chair, c'est suivre le monde, c'est suivre la mode, c'est suivre le modernisme ou la civilisation ou la tradition. Seigneur, je reconnais que j'ai failli dans ma mission. Tu m'avais appelé à me préparer pour le ciel, mais moi, je me suis préparé à détruire mon corps qui est ton temple. Éternel Dieu Tout-Puissant, Adonai, toi qui as versé ton sang à la croix de Golgotha pour la rédemption de mes péchés et pour le salut de mon âme. Seigneur, je te prie de me pardonner. Seigneur, je reconnais que j'ai mal agi. Je reconnais que je me suis laissé emporter par la vanité. Je reconnais que je me suis laissé emporter par l'orgueil, par le m'as-tu vu. Je me suis laissé emporter par les fausses apparences. Je me suis déguisé. Oh, j'ai fait des choses qui n'étaient pas à ta gloire. J'ai utilisé des parfums qui ont même provoqué le cancer de sein, le cancer de sang et le cancer de peau dans ma vie. Aujourd'hui, j'en paye le prix. Seigneur, je te prie de me pardonner. Seigneur, s'il y a encore de l'espoir, papa, pardonne-moi. Oh, je sais que tu es le Dieu de miséricorde. C'est pourquoi ce matin, je viens devant ton trône de miséricorde afin d'obtenir de toi la miséricorde. Seigneur, je ne veux pas être un déchet devant toi. Je ne veux pas être rempli d'asticots lorsque je me parfume. Non, Seigneur, je veux porter ce parfum de bonne odeur qui est la justice, qui est l'amour, qui est la tempérance, qui est la débonarité, qui est l'hospitalité, qui est la fidélité, qui est la maîtrise de soi, qui est la charité et la gentillesse. Seigneur, voici le type de parfum que je veux porter. C'est pourquoi en ce jour, je prie que ton sang me lave. Je prie, Saint-Esprit de Dieu, afin que ton sang me lave. Je prie, Seigneur Jésus, afin que ton sang me lave. Que ton sang me purifie et que ta droite sur la base de Dacte 2, verset 21 qui dit « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Seigneur, que ta droite triomphante me sauve de l'esprit de Jézabel à cause des parfums. Que ta droite triomphante me sauve de l'esprit de Méduse. Que ta droite triomphante me sauve de l'esprit de Maniwata. Que ta droite triomphante me sauve de l'esprit d'Astarté. Que les boutons qui ont été provoqués à cause des mèches, que ton sang me guérisse. Que ton sang, Seigneur, maintenant que je suis en train d'enlever mes mèches,
que le visage que tu m'avais donné, ce beau visage d'enfant que tu m'avais donné, ce visage d'enfant, le sein que tu m'avais donné, que ce visage soit restauré par ton sang. Que ta droite me délivre de l'esprit de Jézabel, de l'esprit de Méduse, de l'esprit d'Astaté, de Mami Wata, non, de Jésus. Que ta droite me délivre des chaînes de la mondanité, de l'ignorance. Que ta droite me fasse sortir de toute forme de prison liée à l'impudicité à cause des parfums, des produits cosmétiques et de beaucoup de choses semblables. Oh oui, Seigneur, je te prie, Père, de me pardonner, de me purifier et de me libérer de tout fardeau. Au nom de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dit amen. Bien-aimés, nous rendons grâce à Dieu. Nous avons fini aujourd'hui, mais nous n'avons pas fini de servir l'Éternel. Bien-aimés, je te prie de reconsidérer tes voies, de rentrer en toi-même et de te poser les bonnes questions. Demande par ricochet l'état spirituel de ton pasteur. Demande par ricochet l'état spirituel de la communauté où tu es. Demande par ricochet au Seigneur Jésus si la doctrine, les enseignements que ton pasteur te donne peuvent te donner le ciel. Le Seigneur aime ce type de questions. Il va se révéler à toi sur la base de Jérémie 33:3 qui dit « Invoque-moi au jour de la détresse et je te montrerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Le Seigneur te dira quel est l'état spirituel de ton pasteur, quel est l'état spirituel de la communauté où tu es et évidemment si la doctrine que tu entends dans ta communauté peut te donner le ciel. Quant à moi, je te dis au revoir et j'espère que nous pourrons nous retrouver non plus comme tu étais avec des faux cheveux, non pas avec des coupes mondaines, non pas avec des parfums, non pas avec des produits cosmétiques, non pas avec des huiles parfumées dans le but de séduire, mais avec les parfums qui sont dans Galates 5, verset 22, qui, ma foi, si tu es persévérant, si tu marches véritablement dans la sainte doctrine, qui pourront te donner le salut. Sur ce, shalom, shalom, et à très bientôt. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom, shalom. Il n'y a qu'un chemin pour aller. Il n'y a qu'un chemin pour aller au ciel. Est-ce que je pourrais aller? Les anges par milliers parcourent le ciel, ils sont vêtus en habit blanc. Et moi, en pécheur, je me pose la question, est-ce que je pourrais aller? Et toi, voleur, pose-toi la question, est-ce que tu pourras aller aussi? Et toi, impudique, pose-toi la question, est-ce que tu pourras aller aussi? Aller aussi? Les anges par milliers parcourent le ciel, ils sont vêtus en habits blancs. Et toi, pécheur, pose-toi la question, est-ce que tu pourras aller aussi? Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse, qu'il te fortifie. Je te prie de te préparer, nous allons au ciel. Telles les choses se sont passées au temps du patriarche Noé, telles les choses se sont passées au temps du patriarche Josué, telles les choses se sont passées au temps du patriarche Lot, telles les choses se sont passées au temps du patriarche Noé. Aujourd'hui, sous nos yeux, sont en train de se passer le même événement. Le Seigneur est en train de rassembler son Église de toutes parts. Le Seigneur est en train de faire sortir ses brebis des églises de la voie large. Il m'a dit, tous les pasteurs qui vont vouloir se braquer contre la sortie de ces enfants de vos communautés, si vous refusez de les faire sortir, il va vous donner la mort. Si vous saurez qu'on ne se moque pas de lui, afin que tous viennent communier autour de la sainte doctrine et se préparent pour son avènement. Bien-aimés, shalom, shalom, et que le Seigneur nous bénisse. À tantôt.